Yo, chef, yo tout le monde. Comment ça va, Mathias? Bah, tranquille, hein, de mon côté, tout va bien, là. On est là. Je galère encore un peu avec le logiciel, mais vas-y. Vas-y, pas de soucis. Pas de soucis. En fait, t'as rejoint au moment où j'ai appuyé lancer le live. Du coup, ouais, ça a lancé un long truc de 5 minutes. Tranquille, hein. Tranquille. Carlito, tranquille. Lui, il vient pas ou c'est comment, là? Il va nous rejoindre. Il va nous rejoindre normalement. Je lui ai envoyé le lien, il l'a vu. Donc je sais pas quand il va arriver, mais il va arriver. Et en attendant, nous on va pouvoir commencer. On va parler de la CinemaCon parce qu'il y a pas mal de news. Je pense mal que t'as vu. Ouais. J'ai suivi ça. T'as suivi plus quoi? Disney, Paramount. Oh, Warner. Un peu tout. Après, je suis pas allé dans les détails du côté de Deadpool, tu vois, parce que tu vois. Voilà. Ouais, parce qu'il y a des spoils. Ouais, tu vois. Je connais en gros, mais vas-y, j'ai pas envie de rentrer dans les détails. Moi, j'ai pas te mentir, la CinemaCon, là, j'étais sur du montage ce week-end. Ah. J'ai pris connaissance des infos il y a littéralement 30 minutes, à peu près. Donc, ah ouais. Tout est frais. J'ai pas mal de liens. Attends, comment je partage les liens déjà? Tac, screen, understand, let's proceed. Là, normalement, où tu es censé avoir le son. Attends. Ah, ok. D'accord, j'ai capté. Mais en gros, il va falloir que je switch d'onglet à chaque fois. Pour l'instant, je peux te montrer mon écran. Mais si je veux... Attends.
à partager l'audio du système. Voilà, c'est comme ça que tu auras le son. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Parce que j'ai vu sur d'autres lives, les gens, ils arrivent à avoir le son et tout. Donc, en vrai, on va commencer. Je pense qu'on va finir par Disney. Ouais, mieux. On garde le meilleur pour la fin. C'est Paramount. Tac, tac, tac. Je pense qu'on va, commencer par les trucs un peu le plus OSEF. À mon avis, ça doit être New truc film, là, New Lines, je pense. C'est eux les plus OSEF. Warner Bros, on va le faire avant Disney, je pense. Ou après, ou avant Paramount. Il y a Lionsgate. Et il y avait Universal aussi, merde. Universal, c'est... Ah bah oui, Universal, ils sont là. Attends. Donc on a Universal, Paramount, on a Lionsgate, on a Warner Bros. Et on a Disney. C'est déjà pas mal. 5. Ouais, ouais. Donc. Attends, mais c'est normal, je m'entends en double chez toi. Attends, moi, je t'entends pas en double. Et là, il y a personne dans le chat encore, je crois. Les gens, je sais pas ce qu'ils font. Ouais. Ah si, il y a des gens. Bonjour, les gens sur YouTube. Si, dites-moi si vous entendez Mathias en double, en vif. Comment ça va, d'ailleurs, les mecs de YouTube? Les mecs de... Parce que comme t'as mis... Ce que tu entends toi, donc je m'entends moi aussi. Ah putain, c'est de la merde. Dis pas que c'est ça, ils ont... Oh non, c'est débile s'ils ont fait ça. Attends, je vais voir si je... Oh, c'est débile s'ils ont fait ça. Ouais, c'est ça. Je vais couper le partage. Et je vais faire un screen... understand... Nanana. Et je vais repartager mon écran, mais je vais pas être le son. Voilà. Et quand on aura des bandes annonces à regarder, je ferai un autre truc. Bon, ça va être chiant, mais bon. De mon côté, ça m'a rajouté des petites manips. Mais c'est pas grave. Donc, on va commencer avec Universal. Attends, est-ce que... Carlito, t'arrives pas à te connecter? Attends, il arrive pas à se connecter. Bizarre ça. Ajouter un invité. Tac. Copier le lien. Hop. 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 Ah, je pense savoir pourquoi. À mon avis, le lien, il est... Il est expiré. Ouais, il doit être expiré. Bah non, c'est le même. Je comprends pas. Attends, sinon, je vais faire changer le lien. Attends, je vais voir là ce que... Je vais voir comment il réagit. On l'attend un peu, en attendant, bon, de toute façon, pour l'instant, il n'y a encore personne, donc ça va. Ouais, côté Universal, je crois qu'il n'y a pas grand-chose. Universal, c'est pas eux qui font Monsterverse? Je sais plus, c'est... Non, le Monsterverse, c'est Warner, hein. C'est Warner. Ah, c'est Warner aussi, le Monsterverse? Bah ouais, ah, c'est ouais. Warner. Ça me fume. Ils ont plus réussi à faire un univers partagé vraiment de... Monsterverse que, qu'avec DC. Attends, d'ailleurs... Les gens, ils veulent pas comprendre. D'ailleurs, attends, je vais plutôt le partager en mode onglet, comme ça. Tac. C'est l'onglet Universal. Lionsgate, Paramount, Warner. Ouais, je le vois plus. Non, il s'affiche pas. Ah, ça doit être ça. Waouh. C'est vraiment de la... Et c'est... Attends. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, il est là. Attends, j'arrive dans 2 secondes. Vas-y, prends ton temps. Voilà, là, normalement, on est mieux. Vas-y, je vais envoyer le lien sur Discord. Et je vais créer un new lien. Create a new link and reload. Ah, putain, c'est de la merde. Copie le lien. Tac. Pourquoi mon Discord il est pas connecté? Discord. Hop. Et toc 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 toc. Il est où Carlito, il est là. Hop. Je lui ai renvoyé le lien. Mmh.
Normalement, il devrait arriver. Normalement, il devrait arriver. Un peu de temps là, je sais pas s'il y a encore du monde. Non, il n'y a plus personne. On va attendre tranquillement, hein. On va attendre qu'ils viennent. Hein. Sinon, toi, t'as regardé le dernier épisode là, de X-Men là. Ouais, je l'ai vu. Mais ça, on en parlera de X-Men hein, quand... Quand la saison sera terminée, on va faire un truc spécial là-dessus. Comment ça va, Carlito? Ouais, ça va, Carlito. Ça va? Ouais, ça va tranquille, hein. Ouais, toujours dans la bagnole, toi. Archi pas, c'est le pire. J'étais en train de l'arranger, mais j'ai nettoyé ma voiture. Du coup, elle est propre. Et elle sent bon. C'est ça qui est bien. La propreté avant tout, les amis. Du coup, c'est quoi le sujet, là? Là, c'est la CinemaCon qui a eu lieu ces derniers jours. Donc, il y a les plus gros studios du cinéma. Bon, là, on en a pris 5, mais je pense que c'est les 5 plus gros. Universal, Paramount, Warner Bros, Lionsgate et Disney. Ils ont balancé pas mal d'annonces. Et donc, du coup, là, on va parler des différentes annonces de films. On va regarder des bandes annonces, donner notre avis là-dessus. Voilà, tout ça. Donc, t'es prêt? Bah ouais. Donc là, pour moi, on commence avec le... Peut-être pas le plus OSEF, mais un studio assez OSEF. Donc je pense que celui-là, on va passer assez rapidement là-dessus. À savoir Universal. Hein. Donc, bon. Ils ont... Je suis pas trop aware ce qui se passe là-bas. Donc, bon. À part Moi, Moche et Méchant, bon, je t'avoue. Ouais, ils ont fait Moi, Moche et Méchant 4. Là, je viens de voir, en fait, il y a un film Twister. Bon, est-ce que... Carrément, la caméra de Carlito s'est coupée. Carrément. À cette non, annonce, Twister, un film Twister. Bon, moi, j'ai pas vu la bande-annonce. En vrai, ça se trouve, ça va être marrant. Hein. Je pense qu'ils vont mettre ça en mode film d'horreur et tout. Je pense qu'on peut... Normalement, vous entendez les sons, là. Ouais, c'est bon. Ah, c'est le type de Transformers. Ah, c'est le Beast. Vraiment, hein. Non, mais Twister, c'est pas censé être un jeu avec des... Ouais. Avec des couleurs, je sais pas quoi. Ouais, une tornade. Ah, ça peut être le slogan du jeu, Twister. Wesh, Smallville, là. C'est quoi le délire, là? Je comprends pas. Là, honnêtement, je comprends pas. Ah, c'est peut-être des chasseurs de tornades. On t'entend pas, t'es mute. Ah, non, t'es plus mute. C'est à moi. On t'entend pas, Carlito. Et où en moins? Là, je comprends pas. Je pense que c'est des chasseurs de tornades, en fait. Je pense que c'est ça. Mais Carlito, on t'entend pas? Non, on t'entend pas, Carlito. Ah, on t'entend pas, hein. On t'entend pas du tout. Si tu peux essayer de régler ton micro. Au pire, qui te revient en cliquant sur le lien? Parce que tout à l'heure, on t'entendait. Là, on t'entend plus du tout. On t'entend plus du tout. Oh, c'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie. Lui aussi. C'est quoi ça? Ils envoient quoi dans la tornade? Je sais pas, ouais, mais à mon avis. Non, mais c'est un truc d'américain, ça, les chasseurs de tempêtes et tout. Là. Ouais, c'est le truc des téléfilms qui passait sur. Ah, il y a Carlito qui est revenu, affiché. Ah, on m'entendait? Ouais, là, on t'entend là. Okay. Ah, bah, du coup, je disais, c'est le chasseur de tornade, il y a un délire là-dessus, c'est sûr, c'est ça? Ouais, bon, c'est un film américain. Ouais, ouais, mais je sais pas pourquoi ils ont appelé le film Twister avec le même logo que les jeux, avec le même slogan que les jeux, je vois pas trop le rapport. En fait, c'est moi qui... Peut-être c'est pas ça, hein, mais... Attends. You ride him.
Ouais, t'as arrêté de Tornade. Comment ça, raider la Tornade, wesh? Il veut dire quoi, lui? Il raide une Tornade. En vrai, dans la vraie vie, ils sont déjà emportés, mais tu connais ces Américains. Ouais, mais après, je sais qu'ils sont toujours dans le délire, tu vois, ils sont toujours dans l'extrême. Les chasseurs de Tornade, c'est beaucoup réputé, ça, chez eux. Ah ouais, deux Tornades d'un coup, c'est quoi ce délire? En fait, je pense pas que ce soit le jeu. Pour moi, Twister, c'est marrant. Peut-être Twister, c'est comme ça que ça s'appelle. Julie. Ah non, ça va être un film. Le boulot, peut-être. Ouais, ils vont faire un film. Twister, oh, ouais, ça sort en juillet, là. Au début, tu serais peut-être dit c'est une pub, mais non, c'est carrément un film. Non, c'est un film. C'est pas une pub. Collaboration avec Warner, c'est ça, je vois. Ah ouais, en collaboration avec Warner. Donc, Warner Bros. Et Universal, les deux sont sur Twister. Bon, personnellement, je pense... Est-ce qu'on a besoin de revenir sur ce qu'on vient de voir? Ah, mais c'est complètement osef, hein. J'étais même pas au courant, donc... Non, mais c'est du divertissement, c'est les films comme ça. Faut voir, hein. Ça, par contre, ça, le trailer était sorti à un moment, hein, de Moi, Moche, Méchant 4. Ouais, ils ont sorti il y a un moment, mais en gros, ils ont pu voir 9 minutes du film, je crois, un truc comme ça. Et ouais, on a appris aussi que Pharrell Williams, il revient pour la musique... de Moi, Moche et Méchant. Donc, let's go. Hein. Bon, est-ce qu'on regarde le trailer? Moi, je pense... Est-ce qu'on se le tape? Non, c'est vous avez des attentes pour ce film ou pas, Moi, Moche et Méchant? Oh, moi, je m'attends juste à un bon film. Un bon... Moi, Moche et Méchant, ça a toujours été des bons films. Après, c'est des films pour j'allais dire les enfants, mais même les grands regardent, mais ça va être un film normal, hein, je te le cache pas. Ouais, ça va être normal, ça va pas être incroyable, tu vois. Personnellement, j'avais vu que le premier, j'ai pas vu les autres. Donc c'est pas franchement, c'est cool, tu vois. Ça m'intéresse énormément, tu vois. Il y a normalement, en gros, il aura un gosse. Donc, ouais, il y a une scène où il fait un cambriolage avec son petit. Il y a une image qui est sortie où il faisait un petit cambriolage avec lui. Et la racaille, il est en train de conduire en même temps, ça me fume. Ah ouais, non, il a pas le temps. Il n'a pas le temps. Par contre, The Wild Robot, ça me dit, ça m'intrigue. Ouais, je sais pas de quoi parler. FX, à premier. Ah, si, ça me dit quelque chose. C'est quoi? C'est de l'animation? C'est c'est pas un truc à la Wally, il me semble. Ah, ça va être un Wally version Universal. Déjà, c'est. Bon. Il me semble, j'ai vu le truc là quelque part. C'est un espèce de BMX, regarde. Attends. Ah, pourquoi ça? Il a pas de bouche, donc ça veut dire pendant tout le film ça l'a pas parlé. Ouais. Non, c'est un robot. Il peut parler, enfin peut-être qu'il va parler avec un, peut-être qu'il aura un haut-parleur dans le ventre ou un truc comme ça. Ouais, en vrai de vrai, je pense pas qu'il va parler. Il y a pas d'humain là. Ah ouais, il y a rien là. C'est que des animaux. Je pense que c'est après la civilisation des humains. Je sais pas ce qui s'est passé, mais on voit qu'il y a que la nature là. En gros, ça va juste être une démo technique de Universal, hein, je pense. Hein. Découvrez. La vraie... Enfin, ta vraie nature, ok. Oh, ça parle! Oh, ça parle. Ok, ça parle. We must become more than we were programmed to be. Donc, il va comprendre les animaux, c'est... What the fuck? On va venir le chercher, c'est ça? Les humains vont détruire la forêt. Ouais, ça va être un film comme ça, hein. De DreamWorks.
Faut voir, hein. Ah, robot. Ah, il y a Lupita. Attends. Il n'y a pas que Lupita. Hein. Wesh, Pedro Pascal. Pascal. Partout, allez, c'est bon. Wesh. Marc Hamill. Wesh, il y a Luke Skywalker, wesh. Le Joker, surtout. C'est quoi ce casting? Ce casting 4 étoiles, là. C'est quoi ça? Peut-être que le film sera intéressant, on ne sait pas. Est-ce qu'ils vont nous avoir avec ça ou est-ce que ça va être explosé? Je pense que s'ils sont dessus, le film a l'air d'être prometteur. Quand ça, ça va à dire, voir. Hein. À voir. Non, mais eux, je ne pense pas qu'ils sont pour. Ouais, ouais. Ouais, Wonder Woman 84. Ouais. Suite. Oui. Mais bon. Est-ce que c'est un film que vous iriez voir? Attends, je ne sais pas si. En vrai, de vrai, ça a l'air cool. Comment, j'irai le voir. Faire... Oh putain! Ah! J'abuse! Vas-y, je vais attendre qu'il finisse de coucher. Il est genre. Il est sur GTA là. Ah, je suis mort! Mais ouais, hein, du coup, si Macon get to see exclusive footage from DreamWorks, The Wild Robots. Robot ok, Nimbus, donc, oui. c'est Lupita Nyong'o fera la voix du robot, donc le robot va parler. Renil qui... Ok, donc il arrive sur Terre, il n'y a aucun humain, bon, en gros. Et il sort quand? En septembre. En septembre. Donc, si ça intéresse quelqu'un, hein, qu'il le dise, personnellement... En vrai, de vrai, si j'ai le time, j'irai le voir, tu vois. Je vais jamais le voir, c'est justement pas. C'est ça que je me disais. Hein. Après, justement pas, j'ai vu les doubleurs, c'est chaud. Qu'est-ce qui se passe, là? C'est du ouais, coup, il... tu vois. Mais... Ils ont fait un bon ceux qui vont doubler, quoi, c'est ça. Ouais, ils se sont concertés, là. Et je pense qu'il va parler le film. Un film en 2024 où les personnes ne parlent plus, tu sais que c'est chaud. Non, non, mais non, non, ils vont parler, hein, vu que. Plus qu'un casting et tout, tu vois. Donc, voilà. Oh, sûr, ils vont parler. Non, mais en vrai, je pense que le film va être cool, mais il va flop. Il va flop. Attends, c'est quoi ça, Wolfman? Bon, je pense que c'est Osef, hein. Oh, c'est pour dire que le film il a commencé, mais je sais même pas ça va parler de quoi. Au Wolfman, bon, ils ont dit qu'il y a Julia Garner qui va jouer le rôle de la mère qui est aperçue dans Ozark, ouais. Ouais, qui bon, sera la prochaine salut Senku, comment ça, qui sera la prochaine Silver Surfer, Julia Garner. Ah donc, oui, ouais. Ok, elle, ok, je vois. Ouais, ils ont décidé de mettre une femme. Ouais, ouais, bah, après il faut pas oublier que la femme c'est pas Norin Rad. Oui, c'est le ouais, c'est c'est chez la balle, dans ouais. Un univers dans un univers alternatif. Ouais. Donc c'est même pas. C'est pas Norin Rad, donc calmez-vous, tu vois. Calmez-vous. C'est Loki qui fait ça, les gars. On va les couilles, hein, je te mens pas. Hein. Après, ça dépend comment ça va être raconté. Ah, le film. Ah, non, mais je pense que ça m'aurait dérangé s'ils avaient switch le personnage de genre. Mais là, ils l'ont pas fait. Ouais. Ah non, ils l'ont pas fait. Ils ont pris une autre version. Mais de toute façon, c'est bon. Ouais. Tu peux parler. Ouais, vas-y. Je disais que là, vous allez mettre là, il y a la bonne annonce de Wick, méchanté avec Ariana Grande, ouais. Qui la reconnaissent parce qu'il y en a, il l'aurait pas reconnu. Avec l'autre actrice que j'ai oublié son nom, mais qui est très connue. Jouée dans Transformers, si ça, elle s'appelle Dominique quelque chose, non? Je pense que le film il va fonctionner parce que bah, déjà, il y a un grand public, quoi. Il y a des têtes d'affiche, quoi. Mais le film, ça veut rien dire, ça. Hein. Oui, ça veut rien dire, mais c'est très bien ce que ça veut dire. Demain. Ah, demain, il y a un film avec Luke Skywalker, mais ce film, il est flingué ou je te mens pas, il y aura des vues. Juste par curiosité. Ah non, sur le nom, aujourd'hui, on est arrivé dans une heure où déjà la place, elle est chère. Voilà. Oh, un film avec Ariana Grande, je te mens pas, les gens, ils vont mais voir. Mais mon gars, un film avec Henry Cavill, ça a bien flop au box-office. Hein. Et y ouais, mais Henry Cavill, il a pas de hype. Henry Cavill, il a pas vraiment de hype, en vrai. En est-ce vrai, par contre, il était super mal. Et il y avait Bryan Cranston dedans aussi, tu vois. Même Bryan Cranston. Bryan Cranston, il a pas une si grosse hype que ça. Ariana Grande, elle a une plus grosse hype que les deux. Merci. En vrai. Tu vois, même si les gens ils vont pas y aller, ils vont y aller juste pour la voir. Et en plus, le film, il y a beaucoup de scènes de chant. Donc, ils vont être rentables. Ouais, si tu mets Ariana Grande pour une scène de chant, c'est sûr le film. Non, il y en aura plusieurs. Je pense que ça va jouer les musiques de fond, des trucs comme ça.
Ouais, non, mais c'est sûr, ça va faire des stats. Parce que, comme ça va permettre de faire un nouvel album. Ah, vous voulez voir mon nouvel album avec avec la vraie DA de l'album? Allez voir le film. Allez, hop. Des millions de... Ça a fonctionné, ce truc. Après, je dis pas que ça va marcher comme un Star Wars. Non, c'est sûr, mais ça va faire quelques centaines de millions, quoi. Et voilà, tu vois, c'est de ce principe-là que tu parles. Après, le film, il est classique, hein. En mode, c'est une fille verte... J'ai vu le trailer, du coup, j'ai pas vu le film, attention. C'est une fille verte... On le découvre. Parce que moi, je l'ai pas vu, perso. Ah, ok, bah vas-y. Ah ouais, mais c'est un first look, en plus, donc vas-y, ça raconte rien. Ah ouais, il y a des scénaristes derrière. C'est toujours bien de regarder le visuel, tu vois. Oui, c'est une fille noire, hein. Eh, partez du principe qu'elle est noire, la meuf, hein. Elle est pas verte, hein. Ah, c'est pas Iron Heart, elle? Non, mais pas du tout, toi aussi. Je pensais. Iron Heart. Non, mais on dirait la meuf de Rise of the Beast, là. Non, ah, il y a Michel Yeoh. Transformers. J'ai oublié. Ah, c'est... Ok, c'est le truc du magicien d'Oz. J'avais pas capté. Okay. J'ai pas capté que c'était le délire magicien d'Oz. Ouais, bah c'est... I'm not afraid. It's the wizard who should be afraid of me. Ah si, c'est la sorcière, non? Ouais, c'est la méchante sorcière. Ouais... Donc... Voilà, c'est giving. Moi, ça me rappelle... Et quand on parle du magicien d'Oz et la méchante sorcière, j'arrête pas de penser à la scène dans ma feuille d'abord. Où il y a Jeannette qui dit « Ouais, je jouais dans le magicien d'Oz, la pièce de théâtre au lycée. » Et après, les enfants, ils demandent « Elle jouait quel rôle ?» Et le père, il dit « Elle jouait la maison. » Elle jouait la maison. C'est dingue. Et Michael, c'est gros la misogyne. Hein. Sorcière. C'est vrai, elle jouait vraiment la maison. Elle disait « Ouais, mais je jouais une bonne maison. » Ça. Et non, c'est une dinguerie, non. Non. Mais ouais, mais déjà, Magicien d'Oz, ça va faire des stats. Si tu rajoutes Ariana Grande dans le délire, ça peut taper très fort. Hein. Le 27 novembre. Oh là là. Mais bien sûr, ça va faire des pêches. Ouais, hein. Dans le Land of Oz et tout. En plus, le film, il a l'air d'être beau visuellement, tu vois. Donc, ouais, non, visuellement, ça a l'air pas mal. Hein. Peut-être une petite nomination aux Oscars. Peut-être. Ah, je dirais peut-être pas jusque-là. Mais pour le décor. Pour le décor. Parce que pour l'instant, ouais, peut-être pour le décor. À voir. Peut-être quoi, maquillage, hein. Costume, ouais, pourquoi pas. Pas le prochain. Nosferatu. Je sais pas de quoi ça parle, ce truc. Avec Willem Dafoe, professeur. Non, du coup, ouais, Soussou. Quoi? Ouais, Soussou. Comment ça va? Et les gars, là, sur Twitch, n'hésitez pas à switch sur YouTube. Hein. N'oubliez pas à switcher sur YouTube. C'est mieux de regarder les lives sur YouTube que sur Twitch, parce que ça me permet de grind la monétisation. Donc, let's go. Amant, ah, du coup, let's go. Quoi? C'est tous les films qui sortent prochainement. Ouais, là, on parle de tous les films qui sortent prochainement. Cinéma Con, on y va crescendo. Cinéma Con, on y va vraiment crescendo, là. Ouais, vraiment. Nosferatu, vas-y, on passe. Ouais, bon, là, là, c'est tout. C'est tout ce que Universal avait à nous proposer. Je pensais. Ouais, mais Universal, ils sont finito. À part Fast and Furious, tu veux qu'ils fassent quoi? Bah, en vrai, ils ont DreamWorks. Ils ont DreamWorks. Ouais, ils ont Kung Fu Panda 4 il y a pas longtemps. Je l'ai vu. Je pense que t'es petit, c'est un bon film quand t'es petit. Regarde, ils ont Moche et Méchant. Ils ont sorti Mario. Non, eux, ils font les films à l'animation. Ouais, c'est vrai, Mario. C'était avec. C'est leur d'action, live action et tout, ça fonctionne pas. C'est plus les films d'animation, ils sont plus calés. Hein. Des points de Non, les Fast and Furious, ça marche pas mal, mais c'est des films, je sais pas comment ça arrive, c'est des films qui coûtent plus cher que Endgame. Donc... On passe à Paramount Pictures. Bon, là, ça a un peu plus intéressé les gens. Donc, ah, par rapport Quoi? Par rapport aux nouvelles sorties, vas-y, let's go. Ouais, alors. New installment Scary Movie. Ok, mais je pense qu'ils vont. Ah oui, c'est vrai, le nouveau Scary Movie, c'est vrai, ça a été annoncé, ça. Ouais, il va fonctionner parce que c'est des films de merde.
Non, mais chef, toi, t'as pas compris l'essence de Scary Movie. Non, mais j'ai compris l'essence de Scary Movie, c'est un film de merde, mais bon, les gens, ils kiffent. Ouais, mais parce que c'est fait exprès, toi aussi. Je sais. C'est fait exprès, c'est une parodie, c'est comme The Super Hero Movie, qui était explosax. Ou même Spoof Movie, tu vois, Spoof Movie. Ouais, ou Spoof Movie aussi, pareil. Spoof Movie, il est drôle. Spoof Movie, c'est une parodie de Menace to Society. Tu vois. Je sais cela. Mais vous avez aucun goût. Et c'est ça que je trouve cool dans ces films, tu vois, c'est qu'ils se prennent pas au sérieux et ils assument. C'est que c'est comme les sous, là. Les sagas qui sont interminables. Faire des sous. Vous allez continuer à regarder, wesh. On le sait tous. Ah ben moi, j'espère juste que les frères Wayans seront de retour. On verra. Hein. Après, par contre, le truc qui m'intéresse, c'est un film live action rated R, donc pour public averti. Ah, donc. Il y aura des mots vulgaires, du sang et trucs comme ça, sur les Tortues Ninja. Ah. Et ça adaptera potentiellement le comics The Last Ronin, qui est un comics de Tortues Ninja qui est assez connu, que j'ai toujours pas lu. En gros, ouais, le synopsis. Tu l'as lu ? Ouais, les Tortues Ninja, si tu commences à les adapter, il y a des trucs gore un peu. Ouais, mais tu l'as lu, l'astronaut ou pas ? Ouais, oui, moi je le connais. Franchement, il est cool. Merci, Soussou, ça fait plaisir. T'es un bon. Franchement, ça peut être intéressant. Parce que The Astronaut, ouais, pour ceux qui ne connaissent pas The Astronaut, en gros, c'est une histoire où tu suis une tortue, tu sais pas c'est laquelle, et en fait, tu sais juste que ses trois frères se sont fait tuer. Et elle cherche la vengeance. C'est Michelangelo. Mais les gars, il y a trois tortues qui sont mortes, c'est bon. Frérot, voilà. On va le voir dans la tête d'affiche avec son bandana. Non, je rigole, son bandana, il est même plus... Mais le bandana, oui, mais il est même pas de sa couleur, chef. C'est pour ça. Il a un bandana d'une autre couleur, je sais même pas, je crois qu'il est noir, c'est pour pas spoil. C'est pour qu'à la fin, tu t'apprennes c'est qui, tu vois. Non, mais surtout, aussi, c'est un comics assez récent, il me semble. Hein. Oh, ça y est, les gars. Faites les étonner. Ouais. Hein. Excusez-moi, les gars. Excusez-moi de vous avoir spoilé qu'il y a trois tortues qui meurent sur quatre. Mais ça, on le savait, oui, mais ça aussi. Mais on sait pas c'est. Mais on sait pas quelle tortue c'est aussi. Mais maintenant vous le savez. C'est laquelle la tortue. Mais maintenant vous le savez. Mais... Vous savez que c'est une. Attends, mais est-ce que toi tu l'as lu ou pas ou t'as juste voulu te faire spoil. Non, mais je le connais ce comics. Je connais les comics Tortue Ninja, c'est pour ça que je vous en parle. Si vous voulez, je vous raconte le scénario. Alors, non. Au début. Ah, c'est bon. C'était j'aurais pu spoil. Tranquille, vas-y, c'est rien. C'est très bien, généralement je spoil pas, j'étais gentil avec vous. Enfin bref. Du coup, on disait Paramount Plus. C'est parti. Ok, bon, un prochain film avec de Damien Chazelle. Bon, je crois que je n'ai vu aucun de ces films. Hein. C'est une même s'il a la langue, il m'intéresse. C'est pas pour nous. Attends, ouais, c'est bizarre. Pourquoi ça défile pas pour vous? Ah, c'est vrai que ça défile plus pour nous. Ah oui! Je sais. En fait, je partage les onglets et pas l'écran. Donc, ça veut dire que vu que là, j'ai changé d'onglet. Putain, c'est ça qui est chiant. C'est pour le son. Donc là, on est sur Paramount. Et Paramount. What? Warner, Disney. Disney, c'est une Paramount. Voilà. Ouais, j'allais à Disney. À Disney Plus. Disney Plus, je crois. À Disneyland. Il est vrai dingue, hein, je sais pas voir. Ok, je vois, ok, ouais, toutes les annonces. Paramount, c'est déjà plus intéressant, tu vois. Oui, ouais, bah, G.I. Joe et Transformers crossover film, donc un film crossover entre les deux univers. Bon, moi, personnellement, j'en ai plus rien à faire de l'univers Transformers et G.I. Joe, j'en ai rien à faire. Je veux voir des Stromons qui se battent, moi je m'en fous. C'est pas le genre de truc que je regarde, tu vois. Mais je pense que ça peut créer une hype. Parce que leur univers, c'est quoi? C'est l'Undergoverse, un truc comme ça, je sais pas quoi. Donc je pense que ça peut créer une hype, surtout si, je sais pas. Je pense qu'ils peuvent mettre un. The Rock, il a pas joué dans un G.I. Joe? Si. Bon, après, je les ai pas regardés, mais je sais qu'il est dans le. Ouais. Tu vas avoir un The Rock ride un Transformers. Oh mon gars, et je paierais pour voir ça. Et mon gars, et ce serait grotesque.
Bon, ça va faire des sous, hein. Ça va faire des millions d'euros, des centaines de millions d'euros. Là, je pique sur les Bee Gees. Ouais, le Bee Gees, Ridley Scott, classique. Bah, Ridley ouais. Scott. Non, mais lui, Ridley Scott, il faut qu'il aille se faire voir, lui. C'est beau. Ah, attends, il est parti. Et bon. Il ne faut plus lui filer des biopics, lui. Pourquoi Wesh Gunn. C'est quoi, c'est quoi son dernier... Salut, Gunn, comment ça va? Salut, Tetsuya, comment ça va? Vous arrivez maintenant, ça fait plaisir. Tetsuya, n'hésite pas à venir sur YouTube. Le lien épinglé. Là, tu me permettras de me faire un peu plus de... Voilà, enfin, de grind la monétisation. Hein, donc, en venant sur YouTube. Voilà. Tu disais sur Ridley Scott? Ouais, Ridley Scott, lui, c'est bon, il faut plus lui filer des biopics. Pourquoi, c'est quoi son dernier? Son dernier film, c'est Napoléon. Ah! Ah oui, oui. Okay. Non. Lui, il va changer d'origine story et tout, ça va pas être la même histoire. Lui, il faut plus lui faire des trucs comme ça, lui. Non. Au calme, il va... Ouais, il va faire ce truc à Roach. Il va faire un biopic sur, je sais pas moi, sur Elvis Presley. Elvis Presley, il va se taper avec des vampires. Ça va être marrant. Ouais, tu vois. Et tu vas voir que les Biggies, ils vont faire un feat avec Obalade. Non. 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 Et lui, c'est beau, il faut... avec Alien. Voilà. Putain, mais en plus, il y a quel âge Ridley Scott là pour faire des films encore? Je sais pas. Star Trek Origins. Encore un film Star Trek? Bon, ils n'ont jamais s'arrêté de toute façon. Un remake de The Running Man, je l'ai pas vu. The Running Man, oui, c'est un vieux film ça, non? Je l'ai pas vu. Ils vont faire un remake. The Naked Gun remake, encore un remake que d'un film dont je n'ai pas vu. Un nouveau film d'horreur, Vicious. Par contre, le film que j'irai voir, c'est la comédie musicale faite par les créateurs de South Park et Kendrick Lamar. Quand t'as le goût et qui est dedans, voilà. C'est bon si je me suis abonné et que je like. Non, faut suivre le live. Tu vois, je suis en live sur YouTube. Si tu suis sur YouTube, c'est mieux que sur Twitch. C'est la même chose, c'est littéralement la même chose. Les deux, c'est la même chose. Juste, c'est mieux de suivre sur YouTube que sur Twitch. En vrai, de vrai. Donc voilà. Donc, ok. Pas ou pas trop le 3, la Pat Patrouille. Ouais, non, la Pat Patrouille. Teenage Mutant Ninja Mayhem, sequel, ok. Et la news qui me hype le plus, c'est Aang, The Last Airbender. Et un nouveau film d'animation sur le dernier maître de l'air. Ouais, où il sera plus adulte et on aura Dave Bautista qui fera la voix du vilain. Donc ça, c'est lourd. C'est intéressant. Donc ça j'irai le voir Day One, hein, on va pas se mentir. Et donc là, on a des bandes annonces. Quiet Place, Day One. Mais ça, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu cette bande annonce, en vrai. Qu'est-ce qu'il y a des trucs? Ah, Transformers One, ouais. Genre, c'est un film de Transformers qui va sortir. Ils avaient dévoilé le logo. Ouais, j'ai pu voir ça, ouais. Ça a l'air pas mal. Et il y a même Chris Hemsworth qui fait partie du projet. Et les gens qui sont... It's a group at adventure with ASCII, il y aura Optimus Prime, Megatron, Bumblebee et Alita. ASCII, visuellement, ça a l'air incroyable. Voilà, hein. De quoi Transformers One? Ouais. Et que Optimus Prime et Megatron seront meilleurs potes, tu vois. Ah ouais, un peu. Je suis trop hype par le film Ninja Turtles The Last Ronin. Ouais, celui-là aussi, j'irai le voir, en vrai de vrai. Ouf. Celui-là, c'est sûr, j'irai le voir. Et Chris Hemsworth en Optimus Prime. Moi, je sais pas pourquoi ils ont pas gardé Peter Cullen. Chris Hemsworth en Optimus Prime. Ah, oh, je trouve pas qu'il a la bonne voix pour un Optimus. Peter Cullen, il est parfait, hein. Bon, après, Transformers, comme j'ai dit, c'est parfait que j'irai pas. Ça, c'est quoi, If? Ah, c'est le truc sur les mecs imaginaires, c'est fait par John Krasinski. Ouais, ça, j'ai pas encore vu le trailer. What if I told you imaginary friends are real? When their kids grow up, they're forgotten. Are any of them scary? Worse. Desperate.
question. Why did these kids forget about us in the first place? Last week, I just started falling apart. You're sucking the oxygen out of the room. Honestly, Doc, this is how it's going to be. I'm just going to wheel myself back and plug in. I can make your hands clap. We've started the matchmaking agency to help IFS find new kids. Or we just disappear. Ouais, bon, c'est un film pour les petits, quoi. Ouais, hein. Franchement, le film a l'air sympa, hein. I can help you. Ah, c'est ça, déjà. You are the chosen one. No, no. Attends, il y a Carlito qui m'a dit un truc. It's all up to you. No pressure. Hope this works. Voilà, la meuf, elle me dit quelque chose. Pourquoi? Ah, elle a joué dans quoi? Dans The Walking Dead. Ah ouais? Yeah, that's gonna grow right back. Am I disappearing? Yo, Dyson. Yo, Dyson. Oh. It's one of the two. Yo, Dyson, n'hésite pas à venir sur le lien YouTube. Oui, on fait la propagande pour la monétisation. Pas sur Twitter, on est 8. C'est pas grave, le plus important c'est qu'on soit sur YouTube. Attends, c'est... Oh, j'ai mal vu. Non, je crois que j'ai... Non, c'est pas elle. Oh. Ah non, non, ok, j'ai vraiment mal vu. Vu que je lisais le chat, moi je me suis dit Chloé Bailey, mais non. Oh. Non, je suis très très mal vu, And mom said too much candy isn't good for your tummy, but I said... Oh my god. Wow, my eyes can taste it. I'm so sorry. You don't taste that in your eyeballs? Ouais, bon. Louis Gosset Junior aussi est dans... C'était qui lui? Attends, ta voix elle est descendue, après elle est remontée. Tu disais? Ouais, non, mais c'est un type connu, hein. Louis Gosset Junior. Hein. Parce que je crois que t'as dit paix à son âme. Ouais, il est mort il y a 2 semaines. Ah ouais? Paix à son âme, hein. Transformers One, bon bah ça c'est, on vient d'en parler. Sonic the Hedgehog 3, attends, est-ce que non? Carré, plus la Jessica Jones est cassée dans le film. Hein. Dans Sonic 3? Bah ouais, elle est dedans. Moi je vais pas te mentir, Sonic, j'ai vu le premier film, j'ai soufflé. En plus de base je voulais pas le voir, c'est juste que il y avait des gens que je connaissais qui m'ont dit ouais vas-y viens on va le voir, je dis, vas-y, on va le regarder. J'ai soufflé. Le 2, du coup, je suis pas allé le voir, et le 3, j'irai pas le voir. Hein. Je vais vous faire une scène sur Knuckles, j'irai pas le voir, non plus. Moi, c'est sympa, après, ça reste pas des films que j'irai revoir de moi-même, tu vois, mais c'est sympa. Ouais, ça va être avec Shadow, après, ils vont faire une suite avec je sais pas qui, et ça va continuer comme ça. Ouais, ils vont faire. Par contre, Gladiator 2, ça m'intéresse. Le premier Gladiator, j'ai dû le voir une fois, mais c'est il y a longtemps, où je m'en souviens plus, il faudrait que je le revoie. Le souvenir, c'était lourd. Et le 2, par contre... Oh là là, déjà, il y a tonton Denzel qui est dedans. Donc, voilà. Ouais. Ils ont pu voir 5 minutes. Attends. Ah, ils ont pu voir un aperçu, quoi. Ils ont pu voir un petit aperçu, grave, soit les combats, ils vont être lourds. C'est qui au casting dedans? Ouais, il y a Pedro Pascal. Il y a Connie Nielsen, ok. C'est la daronne à Wonder Woman. Ah ouais, ça peut être cool. Ouais, donc ça, c'est un film qui me hype. Genre là, pour Paramount, en vrai de vrai. Ouais, il y a Transformers et Gladiator. Et les Tortues Ninja. Pour moi, c'est Avatar. En numéro 1, Gladiator en 2, et le dernier, Tortue Ninja l'Astronin, en 3. Ouais, on est que 2, là. Après, si vous voulez rejoindre, n'hésitez pas, hein, je vous passe le lien. Et... Attends. Carlito, il fait des lives au
de sa voiture, lui, ça. Je mets le lien ici. Je mets le lien ici. Si vous voulez rejoindre, venez. Venez, venez. Et je vous ferai monter. Et vous pourrez parler. Normalement, ça, on le fait en fin de live, mais vas-y. Mais vas-y, vas-y. En vrai, vu que Soussou, je connais. God, des intervenants de qualité. Là. Vu que Soussou et Gun, je les connais. Ils vont pouvoir monter plus tôt. Là. Lionsgate. Cam obligatoire. Non, t'es pas obligé de mettre ta cam. Hein. Tu peux pas mettre ta cam et juste mettre ton son, en vrai. En vrai, de vrai. Donc, Lionsgate, eux, ils nous racontent quoi, Lionsgate ? Je pense que tous leurs films vont être aux F. Hein. Ah oui, mais Lionsgate, je sais même pas ce qu'ils font. Donc... Faut que je te partage. Enfin, je crois qu'il y a Borderlands qui va arriver. Mais attends, faut que je te... Ça qui est chiant avec ce truc-là. Hop là, Lionsgate, partagé. Marvel et DC. Non, moi, je suis tous les films parce que j'aimerais bien voir autre chose que du Marvel et du DC au cinéma. Ouais. Ouais, mais c'était vraiment les seuls vraiment intéressants présentés. Là-bas, tu vois. Et je finis de manger, j'arrive, vas-y, hein, ça marche. Vas-y, moi, ça me saoule de voir d'aller au cinéma, me déplacer à chaque fois, c'est un Marvel ou un DC, ça me saoule, j'ai envie de voir un autre truc. Ça me casse la tête, ça me prend la tête. Même là, la semaine pro, il y a le film Civil War qui sort, hein, il faut pas le rater. Ça. Ouais, ça, je pense que je me calerai du temps pour le regarder, c'est avec Kirsten Dunst. Non, ouais, et avec son mari, il est aussi dedans. Ça a l'air pas mal du tout. Hein. Là, Highlander, ah oui, c'est vrai qu'il y a un film Highlander avec Henry Cavill de prévu. Ça pourrait être cool, ça. Je sais pas si t'as vu Highlander, toi. Moi, je l'ai vu, j'ai vu que le 1, j'ai pas vu les autres. Et il était lourd, hein. Franchement, il était lourd. La première scène de baston, là, dans le parking, c'était pas mal. Donc, avec Henry Cavill, vu qu'il a joué dans The Witcher, etc., je pense qu'il pourra faire un bon taf. L'acteur de Superman qui a pu... Et la malédiction. Ouais. C'est quoi déjà la malédiction des acteurs de Superman ? Et en fait, après le rôle de Superman, soit il y a eu un grave accident ou soit ils ont plus fait de film au cinéma. Voilà. Ouais, George Reeves, lui, bon, c'est le rôle qui a gâché sa vie. Christopher Reeve, c'est bon, c'est comment il a fini. Dean Cain, ce type, il est bizarre. Ouais, oui, ce mec-là, il est bizarre. Dean Cain. Welling, il a, et ça fait 20 ans qu'il a plus fait de film au cinéma. Même si ouais. Sur le petit écran ça marche bien, mais plus au cinéma. Brandon aussi, c'est le rôle qui a un peu gâché sa carrière. C'est chaud. Hein. Et Tyler O'Clean, lui, comme c'était déjà une personne déjà bien installée dans le cinéma. Bon. Ah oui, c'est vraiment... live action adaptation of the famous Naruto animated anime directed by. Ok, donc là il nous confirme juste qu'il va avoir le film Naruto, là, le film live Naruto. Bon, ça je le regarderai, je vais juste le regarder par curiosité, mais je sens qu'ils vont faire un truc dégueulasse. Je sais pas pourquoi je sens qu'ils vont pas faire comme Netflix et ils vont faire un truc dégueulasse. En live action, oulala. Oh, après moi Now je connais you pas, see mais. Me... Now You See Me 3, c'est le film, tu sais. Les Intouchables là. Voilà, les intouchables, enfin les indestructibles. Ah oui, enfin, je sais plus. C'est les... Ah non, c'est pas... Unbreakable, je crois. Unbreakable ou... Les Indomptables, enfin une connerie de genre, tu vois, c'est les films avec les espèces de magiciens, là. Ouais. Vu que le 1. Le 1 qui était sorti il y a 10-15 ans, non, il y a 10 ans à peu près. Un peu plus de 10 ans peut-être. C'est... Ou 10 ans pile, c'est le seul que j'ai vu. Ah non, c'est les insaisissables, voilà. Les insaisissables, ouais. Now You See Me. Ça, ça a été pas mal. Ça, comme... Moi, c'est vraiment que le 1. Ah, attends, il y a quelqu'un. Il y a Gon. Comment ça va, Gon? Je t'avais pas vu. Attends, allô? Oula. Ouais, Gon? Ouais. Vous me voyez, je suis là, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est bon. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Bon. Comment ça va? Attends, je suis un dégoût. Ouais. Tu nous entends, chef? Attends, je crois qu'il y a un... Tu nous entends pas?
Ah, oui, non, il va remonter. Il va remonter. Ouais, ouais, il va remonter. Il va remonter. Il a Tiens, petite by Ruben Fleischer, ok. The Blair Witch Project, un remake de Blair Witch. Bon. Ce film-là va pas intéresser. C'est pas... Attends, projet Blair Witch, c'est pas un film d'horreur façon pas ouf là ? Ou je confonds ? Attends, je vais aller voir. C'est ça, non ? C'est sorti en quelle année ? Pas trop mon truc, moi, les 99. Série de films. Ouais, film d'horreur, ouais, c'est bien ça, c'est bien ce truc de. Enfin. Bon, je suis pas mal à parler des films d'horreur, hein, mais je souffle un peu beaucoup là-dessus, tu vois. Ah non, mais moi je le dis, les, non, mais les films d'horreur, c'est gaze. Wow. Non. Et enfin, il y a Margot Robbie. Ah, attends, Gon qui revient. Allô, allô. Ça va ou quoi ? Comics. Tranquille. Ça va ? Ouais, ça va, tranquille. Attendez, je remets calme, là. C'est bon, là. Ça va. Voilà, c'est ouais, bon. Ouais, on a. Désolé, en fait, sur mon PC, j'ai pas encore tout programmé pour vraiment rentrer dans des lives. Du coup, je préfère faire sur téléphone. Vas-y. Tranquille. Vas-y, hein. Tranquille, hein. Mais là, déjà, si pour revenir sur les projets dont tu as parlé avant, il y en a un qui te hype plus que les autres. Dans. C'est de la Paramount, là même dans ceux d'avant, hein, vu que t'étais pas encore là. Versal. Genre, bah, en soi, moi, je vais pas mentir, moi, j'ai craqué sur The Last Ronin, je vais pas mentir. Bien évidemment. Et ça, c'est le truc qui m'a vraiment marqué. Dès que j'ai entendu ça, là, j'ai dit, oh, ça peut être vraiment une dinguerie, les gars. Non, ouais, je pense qu'il vous nous coupe quelque chose de bien, là. Ah, salut, Nas, comment ça va ? Merci pour, pour donner la force sur YouTube, plutôt que sur Twitch, ça fait plaisir. Mais ouais, hein, le film Last Ronin, celui-là, j'irai le voir. Effectivement, comme j'ai dit, top 3. Pour moi, sur Paramount, c'est le troisième film qui intéresse le plus. Le premier, ça reste Avatar quand même. Parce qu'Avatar, j'ai revu la série il n'y a pas longtemps. Ça va tranquille, hein. Ça va tranquille. Avatar, c'est pas le... Genre, c'est la suite, mais dans... Genre, en gros, ça se passe dans le futur un peu, je crois. C'est ça, non ? Ouais, en gros, ça se passe pendant l'ère de Aang, mais il a genre 25 ans par là. Ah, ok. Oh, bah, c'est un peu... Ah, 125 plutôt. Ah ouais, ouais, là on le verra vieux quoi. Non, mais enfin, quand je dis 125, c'est parce que techniquement il a 112 ans dans la série. Parce qu'il est congelé. Ouais, parce que tu ouais. Okay. Voilà, Captain America. Ça parle de quoi ? On parle de la CinemaCon, donc la convention au cinéma. Il y a eu plein d'annonces de films qui vont sortir et tout, donc on en parle vite fait. Là, comme tu vois, là on parlait de Avatar, le dernier maître de l'air qui va avoir droit à une suite. Techniquement, la suite c'est Korra, mais un film d'animation sur. La période adulte de Aang, donc qui pourrait être sympa. Il y a The Last Ronin aussi, qui va être cool. Et là, on est sur, Lionsgate. Avec la prochaine annonce qui est le fait que Margot Robbie, elle compte produire un film Monopoly, et j'ai vu aussi qu'elle compte produire un film Sims. Non, mais ça je ne sais pas à quoi elle joue, elle, mais... Inutile. Ah. Ils ont réussi à faire ça avec un film Barbie. Est-ce qu'ils peuvent pas reproduire la même chose avec Monopoly ? Ouais, mais Barbie, ce qui a sauvé, c'est aussi l'événement Barbenheimer, parce que sinon, je serais jamais parti le voir, moi. Ouais. Ouais, bah après, ils peuvent essayer de recréer un Barbenheimer avec un autre film, tu vois. Non, mais tu vois, genre, s'ils font les Sims, j'ai l'impression que ça ressemblerait beaucoup à Free Guy. Enfin, je pense que... Alors ça ressemblerait beaucoup. Ouais, mais Free Guy en plus nul, j'ai l'impression. Tu vois, ouais, c'est ça, en fait. Je sais pas. En fait, les Sims, ils peuvent tourner ça en mode, ils sont conscients qu'ils sont dans un jeu, mais que le joueur, c'est un fou. Genre, tu sais, ils vont dans un truc, ils vont la ronde de la vision, là. Genre, ils sont contrôlés par une seule entité, ils font des phases bizarres et tout. Ouais. En vrai, Sims, ça peut être un délire. Hein, ouais. Ou alors, c'est un humain qui rentre dans le monde des Sims et qui connaît pas le jeu des Sims et entre... Ils vont voir les Sims, ils vont faire de la merde. Il y en a un qui va faire. Tu sais comment ils parlent, les Sims, là. Les... Il va faire. Qu'est-ce que tu racontes, frère ? Quand tu me parles. Et il y aura Neo qui va. Il entre dans la matrice. Bah ouais, j'ai pensé à ça. Il y aura les agents Smith. Ouais. Sauf que là, ils n'ont pas les droits, ils vont faire. En vrai, je sais pas. Un film Sims, ça peut être plus cohérent, mais un film Monopoly, les gars.
Film en fait, Monopoly. À voir comment ils vont tourner ça. En fait, sur un mec capitaliste qui veut acquérir le plus de biens et qui est prêt à écraser le maximum de ses adversaires pour atteindre son but, tu vois. Quand t'as de l'inspi, tu peux faire un film sur tout, en vrai. Ouais, mais après, on dit Monopoly, est-ce que c'est sur la création du Monopoly ou pas? Parce que ça me fait penser au film R, que l'autre Tetris. Ben Affleck a produit, tu vois. Même Tetris, hein. Ouais, aussi. Ouais, ouais. Je savais pas, on pouvait faire ça. Exactement aussi, tu vois. Donc, Tetris, on a tous cru que c'était un film genre dans le jeu Tetris, mais en fait, c'était la création du jeu, quoi. Ouais, hein, c'est ça. Pas grave, intéressant. Hein. Le film R, moi j'avais beaucoup aimé. Moi. Non, il est incroyable. Le film R est... Il a fait du très très bon boulot, sauf que le film est passé à la trappe, hein, personne l'a vu. Mais c'est bien, c'est... Il y a Nas, il pose une bonne question. Il dit, c'est quoi vos grosses attentes ciné pour ce trimestre? Moi, honnêtement... Ce trimestre-là... Et Joker Folie 2. Moi, c'est Planète des Singes 4. Il sort quand, Planète des Singes? Attends, je regarde. J'ai même pas regardé les films. Donc... Ah, il y a quelqu'un dans la queue. Soussou. J'ai jamais regardé les films. Ah non. Yo, Soussou, comment vas-tu? Ah, mais peut-être le premier, à la limite. Mais... Ouais, moi, je t'entends bien. Hein. Dans le chat, vous entendez tout le monde au même niveau, il y en a un qui est plus fort que l'autre. N'hésitez pas à me le dire, comme ça, j'arrange le son. Moi, je peux arranger le son avec mon logiciel. Comme ça, on s'entend tous de la même façon. Je suis tout tranquille. Moi, ça va bien, et vous, les mecs? Ça va, hein, tranquille. Hein. Et il y a Carlito qui est revenu. Je crois qu'on est au complet. Je crois qu'on peut pas être plus de 5 ans. Ah, putain, il y a Gone Comics. Putain, pas lui. Je rigole, ça va ou quoi, ça? On est sur quel sujet, là? Là, il y a Nas, il pose la question, c'est quoi vos grosses attentes ciné pour ce trimestre? Attends, mais il y a quoi qui sort? Je vais aller voir. C'est Planète des Singes 4, moi, clairement. Ah ouais, en vrai, ouais, si c'est ce film-là qui sort, ça va être lui, hein, le film que j'irai voir. Ah ouais, il faut que je revoie le 3. C'est pas parce que vous êtes noirs, les gars, qu'il faut que vous ayez des attentes pour la Planète des Singes. Oula, il commence à dérailler déjà. En vrai, à cette heure, je vous mens pas, cette année, il y a Cross de Spider. Non, il sort en 2025, non? On ne sait pas quand il sort encore. Beyond Spider-Verse, on ne sait pas quand il sort. Beyond Spider-Verse, juste attends. Voilà, c'est tout. La suite, frérot, on ne sait pas quand elle va sortir. Je ne mens pas, si elle sort cette année, moi, je serais plus hype par ça qu'autre chose. Hein. Elle ne va jamais sortir cette année. Non, mais eux, ils ont mal foutu leur truc. Zarma, ils sont passés à une date, genre, de cette année, jusqu'à une date indéfinie. Où est la logique? Ça veut dire qu'ils avaient pratiquement terminé le film. Non, c'est eux, ils ont vu plus gros que leur ventre. Planète des Singes, faut que je regarde le dernier. Pareil, je sais ce qui se passe dans le dernier, mais il y a encore quelqu'un. Il y a Senku, comment ça va? Comment ça, Senku? Version... Yo, t'as déjà quoi? Il me fait penser à quelqu'un, c'est tout. C'est tout. Qu'est-ce que... Bon, soyez pas malveillants, les gars. Déjà... Comment ça va, Senku? Ah, bon. Je crois qu'il est juste... Tu nous entends? Tu nous entends? On t'entend pas. Faut que t'actives le micro. Ah oui, attends, t'as pas de micro. T'as rejoint sans micro. T'as relancé le micro. Ouais, du coup, on peut pas t'entendre. On peut pas t'entendre. Je sais même pas si tu nous entends. Faut qu'il quitte et qu'il revienne, alors. Ouais, en vrai, faut que tu quittes et que tu reviennes. Tu quittes et tu reviens avec le micro, vas-y. Vas-y, on t'attend. Et du coup, on parlait de quoi, là? Ah oui, de Monopoly, je crois. Oui, de nos attentes. Après, il y a Civil War qui sort la semaine pro. Hein. Ouais, celui-là aussi, il faut que je le vois. Ça a l'air pas mal du tout. Hein. Ça a l'air vraiment pas mal. Ah, ça, j'attends de ouf aussi. Genre, j'ai vu là les petites bandes annonces là, et la petite promotion qui sont en train de retourner. Ça me hype. Genre, les films J'ai vu qu'il y a des gens qui sont là. Ah, il y a Senku. Attends, Senku, il faut que tu actives ton micro. Là, je vois l'icône de ton micro, donc je peux l'activer normalement. Et... Attends, pourquoi tout le monde a le micro désactivé? Ah non, il n'y a que Carlito qui a le micro désactivé. Ok.
Ouais, parce qu'il est au volant là. Regarde. Ah. Il est vraiment ghetto. Ah là, c'est bon. Normalement, on t'entend. Normalement, on t'entend, Senku. Comment ça va? Ça va bien. Ça. T'as des attentes, du coup, concernant les films des films avec Ryan Reynolds, le film. If. Ah, le film If. If, oui. Ça a l'air intéressant. Oui. Genre sur les amis et sur les amis imaginaires et tout. Moi, je sais pas. Hein. Ce film-là. En vrai, ça peut être sympa, mais. Ça peut être sympa, mais c'est pas le genre de film que j'irai voir. Et après, oublie pas qu'il y a Bad Boys qui sort, les gars. Attends, il y a. Attends, après, il y a un écho. Attends, il y a un écho derrière. Attends. Qui a fait l'écho, là? Moi, j'avais mon micro activé encore. Ouais. Ah, ça vient peut-être de chez Senku. Mais ouais, If, bon. Perso, c'est pas un film qui me hype. Ouais, moi, ça me hype. Ah non, comme j'ai dit. Comme j'ai dit, ouais, Planète des Singes. Hein. Mais bref, je pense qu'on peut poursuivre avec la bande-annonce de Crow. Je sais même pas de quoi ça va parler, ce truc. Non, mais Askip, c'est un remake de celui avec fils de Bruce Lee, là, Brandon. Le fils de Bruce Lee? Ouais, c'est un remake. Ah! Et que c'est le mec qui fait ça là. Oula, oula, est-ce que ça passe sur YouTube ça? Est-ce que ça passe sur YouTube? Le strike! En vrai, on est sur YouTube. En vrai, on est sur YouTube. Le truc, on est sur TikTok, t'es mort! sur Twitch, je sais pas. Sur Twitch, je sais pas. Ah, ça baise, hein! Ah, Carlito, il va aimer le film. C'est un film pour Musashi, ça. C'est Musashi, regarde ce truc. Hi. D'accord. When someone dies, a crow carries their soul to the land of the dead. Ah, ok, c'est ce film. Putain, c'est un remake, non? Ouais, c'est un remake avec... Le crow, genre les corbeaux, quoi. Ouais, de Brandon Lee, le fils à Bruce Lee. Mais c'est classé horreur, celui-là, non? Ouais, il me semble. Je pourrais pas dire si c'est... En général, quand un film est un remake, il vaut mieux avoir vu l'original. Ah, ok, le mec, il est mortel. Non? Ouais. Il va se transformer en corbeau, c'est ça? Wesh, il est devenu plus stock là, non? Et c'est un film rated R. En vrai, c'est l'air stylé. Ouais, surtout les premières secondes de la bande-annonce. L'acteur, il a l'air. L'acteur, il me convient pas. L'acteur principal. Ouais. J'irai pas voir le film. C'est lui qui fait ça. Attendez, Johnny. Même sa tenue, en fait, il fait. Je sais pas comment dire. Il est pas du tout charismatique. It's not anger. Bon, en gros, il est mortel. Hein. It's love. Bon, j'arrive pas encore à capter le délire du film. Bah, je pense en gros, c'est Deadpool de Wish, hein. C'est tout, hein. Vous voyez Deadpool 2, bon, quand même, au moins bien. Elle a été tuée, il a été ressuscité par des corbeaux, un délire comme ça, et il va tuer tous les gens qui ont tué Sam. Bah, c'est ça, bon, c'est bon. C'est sûrement ça. Hein. No wesh, ouais, là, il monte tout le film, là. Le Deadpool gothique. Attends, c'était Travis Scott ou quoi? Ouais, c'est Travis Scott à la fin. Ouais. Et ben, ce sera sans moi. Hein. Ouais, bon. Il faudrait que je regarde l'original d'abord, mais bon. Perso, même. Le délire, il a l'air d'être un petit peu chelou, mais en vrai, ça a l'air de le faire de ouf. Hein. Non, c'est stylé le délire qu'il est immortel, tout ça, là. Ouais, ça a l'air intéressant aussi. Ouais. Carlito, la du début. Comment? J'ai juste pas. Mais c'est quoi le nom du film?
The Crow. Ça sort bientôt, en juin, le 7 juin. Ouais, il y a personne qui va le voir. Les anciens vont aller le voir, tu vois. Non. Elle a l'air pas mal. Les anciens vont peut-être couper. Après, pour les anciens, il faut voir si c'est accuré. C'est leur cam, quoi. C'est les touristes ou pas. Je pense qu'on va bien souffler, surtout. Hein. Borderlands, c'est issu d'un jeu, ça. Oh, c'est un jeu à la base. Je connais pas le jeu. En vrai, le casting il est grotesque. Ouais, il y a un trailer qui est sorti. Il y a Kevin Hart. Regarde le premier. Ouais, il y a Kevin Hart. Après, le film, il va être gorille de fou. Hein. Il va être humour de fou. Salut Ario, comment ça va? N'hésite pas à venir regarder live sur YouTube pour me permettre de grind la monétisation. Merci, mon gars. Il y a Senku qui revient. Ok, donc, Borderlands. Ça va être mieux, je pense. Dans les couleurs. Bah, je pense que ça a l'air d'être moins bien que Suicide Squad. Hein. C'est Blanchette. Ouais, c'est ça. C'est la meuf qui joue. Et là, ouais. Il y a la meuf qui fait Gamora. Ouais. Il y a la jeune, là. Grindel. Ouais. Hein. Il y a Kevin Hart aussi. Je sens que ça va flop, ça. Là, c'est sûr. Enfin, non, je pense pas que ça flop. Il y a quand même une fanbase, hein. Ouais, après, ils ont une grosse fanbase, non? En vrai, ça sort sur... Oh là là, Spider-Man, Venom. Oh non. Uncharted, Spider-Man et Venom à la suite. Mon cœur. Ah, j'ai mal. Wesh, imagine, t'as une filmographie comme ça. Ils vont faire un film sur un jeu sans lore. Bah, ils vont... Attends, tu m'as dit, ils vont faire un film sur un jeu sans lore, Ario. Il y a un film Minecraft qui est prévu, hein, avec Jack Black et Jason Momoa. Moi, j'arrive pas à voir comment ils vont faire un film Minecraft. Sauf si c'est dans le même délire que Pixel, là. Un film Minecraft, ça va moins flop qu'un film Borderlands. Ah ouais, Minecraft, ça va marcher. Ouais. Minecraft, ça a marché de zinzin. Ah oui, ça a marché de zinzin. La communauté, c'est connu. Minecraft, c'est top 5 comme si... les plus joués au monde. Hein, du coup. Bah oui. Ah oui. C'est limite comme si tu faisais un film GTA. Ouais, littéralement. Mais, après, il y a Training Day, tu vois. Y a tout... Un jour, ils vont les faire, le film GTA, je pense. Hein. Mais un jour, ils vont faire un film GTA. Ils vont faire, c'est l'histoire d'un mec qui vole des voitures, nanani. Mais... C'est parti trop loin. Il a une embrouille avec un gars. Attaque. Moi, je dis Flo dans Franklin. Hein. Non, je suis chaud. Hein. Yo, Ario, merci d'être passé sur YouTube, mon gars. Ça fait plaisir. Wesh. Ils vont casser les blocs IRL. Jason Momoa, il en serait capable. Bon, ça va être un film d'été, je pense. J'espère qu'il sort l'été. Hein. C'est le genre de film qui sort l'été, ce truc-là. Non, je sens que ça va être éclaté, les refs. Ça ne me hype pas du tout. En vrai, ça va être sympa, mais bon. Moi, je veux pas le voir. Ça va pas être incroyable, tu vois. Alors, en fait, moi, ces films-là, je souffle. Tu vois, je commence à souffler des films comme ça. J'en ai marre. Je commence à en avoir marre. Vraiment. En vrai, c'est le genre de film, vas-y, bon délire, tu regardes ça, tu te fais chier, quoi. Ouais. Et surtout, c'est le genre de film qui a coûté 250 millions, mais qui doit pas. C'est ouf. C'est Jack Black qui... C'est le robot. Ah, Jamie Lee Curtis, ça se voit, elle a vraiment fait... Elle a eu ses Oscars, elle s'en fout maintenant. Elle s'en fout maintenant, elle est là pour le bif, hein. Ouais. Les bandes annonces, j'ai l'impression qu'ils montent tout le film. Ouais, mais depuis quelques années maintenant, c'est ça les ouais, on est conscients de ça. On est de Star Wars. Et dis-toi encore, là, il n'y a pas encore les TV spots. Hein. Ouais, il n'y a pas les trailers 1, 2, 3, 4, 5. En vrai, c'est un film que tu regardes sur Netflix. Attends, quoi ? C'est un robot qui a la chiasse ?
c'est Jack Black. Ouais, ils vont jouer sur l'humour là-dessus. Ah ouais. Arrive bientôt. Bon, ce sera sans moi. On va regarder, il va y avoir écrit Team One Win. C'est pas un film qui sort au cinéma, ça. Je vous le cache pas, c'est pas un film qui sort au cinéma. Ouais, c'est ce que j'allais dire en plus, là. T'as dit un film Netflix. Clairement, non, ça, c'est un film que tu fous. Tu fous ouais, Netflix, Amazon Prime. Wesh, il y a Bobby Lee dans le film, wesh. produit par Avi Arad. Bon, voilà, c'est de la merde, en gros. Non. Il est méchant, lui. Quand tu es un producteur de Venom, Spider-Man et Uncharted. Uncharted, ouais, il était pas mal, le film. Il était pas mal. Ouais, mais c'était moyen, tu vois. Oui, je suis d'accord, mais... Ouais, c'est un bon moment, mais c'est pas le genre de film que tu vas aller... Non, mais t'as Uncharted et t'as Venom dedans. Non, Venom, il est horrible, je suis d'accord, mais Uncharted, il y avait un délire, ils ont essayé. En fait, moi, c'est pas qu'ils sont horribles, je trouve que les trois qu'ils ont cités, bah, du coup, c'était des films moyens, tu vois. Non, après, oui, c'est parce que c'était une des grosses licences, avec le nom et tout, et comme les gens, ils sont cons, ils vont dire, incroyable, tu vois. Si ça sort au cinéma, déjà, il n'y a plus beaucoup de personnes qui vont... Il va y avoir plus personne. Et moi, de merde, je suis allé voir Madame Web, alors que tout le monde m'a dit que c'était éclaté. Mais pourquoi t'es allé voir ça? J'ai pas entendu, Carlito. Ah, ben après, il faut aller faire son propre... Je disais que, Gon, en vrai, quand j'y pense, t'es vraiment pas le public visé, quand je te dis ça, dans le sens où ils vont pas chercher des gens qui réfléchissent ou qui vont approfondir les films et tout. Ils s'en foutent, hein. Et Madame Web, c'est claqué, les gars. Je suis allé le voir... J'ai claqué. Hein. Évidemment, t'es pas allé le voir au cinéma, j'espère. Non, mais évidemment, au cinéma, streaming, hein, qualité 1080p. Voilà. Vous pouvez voir les films de Sony, mais n'allez pas les voir au cinéma. C'est dit. N'allez pas les voir au cinéma. Ne leur donnez pas d'argent. Même si on vous paye, vous refusez. Faut pas. Ah, moi, non. Non. Mais ça, si on me paye, qu'on m'offre les places, bien sûr que je vais, mes voisins. Ah, j'y vais, non, moi je vais. Un film Sony, tu me payes, je vais. Tu me donnes 200 balles, je vais. Tu me donnes 200 balles, j'y vais tous les jours. On se prend des popcorn. Ah, vraiment, hein. Je vais même aller le voir 10 fois. Carrément, je fais une. Je regarde deux fois en mode une en tant que spectateur et une en tant qu'analysateur, tu vois. Après, quand ils vont annoncer que Sony va récupérer les droits de Spider-Man parce qu'ils ont réussi à se faire du bif avec le film, on va voir la réaction. Non, en vrai, le film, pour revenir sur le film, bon, en vrai, c'est un film Netflix, hein, ça va être tranquille, hein, ils vont le passer, il va être vu et puis on va passer à autre chose. Soit c'est tout que tu regardes sur ton canapé pour passer un bon moment. Après, Wonderland, c'est un jeu, ça va être galerie 2 minutes et c'est tout, quoi. Les films avec Kevin Hart, je te mens pas, tu les mets tous sur Netflix, hein, je te mens pas, tu les mets pas au cinéma. Hein. Ah, ouais, c'est... Mais moi, c'est... Justement, ils sont tous sur Netflix. Ce Stranger... Même là, son dernier film, en plein vol. Stranger, chapitre 1. Ouh là là, c'est-à-dire qu'il y aura un 2 et un 3. Ouais, ça c'est... Je sais pas de quoi ça parle. Ça parle de quoi? Mais Lionsgate, pour faire des films comme ça, ils ont l'argent ou pas, eux? Parce que vas-y, ouais. Je pense que oui, ils ont des... Ouais, bah, c'est un gros studio, là. J'ai mis c'est à peu près les 5 plus gros studios, là, que ce que j'ai mis. Lionsgate, c'est peut-être celui qui gagne le moins d'argent, mais... Ils ont des thunes. Never Let Go, bon. Flemme, ouais, j'ai pas envie de lire le synopsis. The Grey. John Wick, par contre. Ballerina avec Anna. Ballerina. Qui sait qu'il y aura John Wick dans le film? Il y aura John Wick dans le film. Ouais. Et ce film, évidemment, il va fonctionner. Ah, il y aura une qui va fonctionner. C'est un film. John Wick, t'as Keanu Reeves et t'as Ana de Armas. Bien évidemment que ça va fonctionner. Qu'est-ce que tu crois? Et c'est surtout que ça sort au début de l'été. Et tu sais que le mois prochain, tu vas enchaîner avec les 4 Fantastiques et tout. Avec ouais, non, 2025. Ça a été fort. Oh, 2025, on va manger, hein. Oh mon gars. Ça va être un de ouf. Incroyable, hein. Est-ce que 2025 ne serait pas 2018? Je pense plus, hein. Mon gars, et tous les vous, on a un mois, on aura 4 Fantastiques et Superman, mon gars. En vrai, 4 Fantastiques et Superman, c'est une dinguerie, ça. Imagine, c'est sorti le même jour. L'effet Barbenheimer, là c'est fini. On a Captain America 4 aussi, je crois, 2025.
Ouais. Oui, il y a on en parlera après de Captain America 4. On en reparle. On en parle vers la fin du. On en sera au spot. Vers la fin de, du spot Disney. Vas-y. Ouais, John Wick, en tout cas, je ne sais pas si ça se passe avant ou après John Wick 4. C'est avant aussi. Ouais, c'est John Wick, donc je mange. C'est pour ça qu'il y a John Wick. Donc, ça m'intéresse. Bah, c'est juste. John Wick, c'est un film, tu poses ton cerveau, tu regardes la baston, c'est pas cohérent. Ouais, vraiment. Parce que le mec qui boite. Il y aura un John Wick 5 aussi, je crois, qui est en préparation. Ils vont faire. John Wick vers. Ils vont les enchaîner. Hein. Après, ils vont faire. Il va passer le relais à je sais pas qui. Ils vont faire la suite. Attends, mais dans John Wick 5, non, tu peux faire comment Tu peux pas passer le relais. Ils vont faire comment dans John Wick 5 et ils vont toujours trouver un moyen. T'inquiète pas, Résurrection, révélation. Baba Yaga, il est immortel. Baba Yaga. Voilà, tu verras. Tu l'as vu se vider de son sang, tu as vu ça tomber et tout. Comment ça? Mais mon gars, dans le 3, il est tombé d'un immeuble. Voilà, il faut pas. Il est enterré. Il est enterré, vidé de son sang et tout. Comment tu vois? T'inquiète. Il va respawn comme. Ils vont faire comme. Ils vont faire comme dans Justice League avec Superman, ils vont le ressusciter. Il y a la Terre qui va monter, tu vois. C'est Miller qui va tout changer. Mais c'est un kryptonien, Superman. C'est un alien. John Wick, c'est un mec normal. John Wick, c'est tout sauf un humain. C'est impossible que ce soit un humain, le mec. Et je te. John Wick, il a le niveau de Batman, frère, c'est sûr. Oui. Oh, il a même pas le niveau du Punisher. Mais tu sais, vraiment, ça le compare avec qui il y a pas longtemps? Avec le Punisher. Ça disait, ouais, John Wick. Ouais, ça fait des années, ça les compare. Ouais, hein. Punisher, ouais, le fume. Ça se tape, hein. Eh, les gars, ça se tape. Non, le Punisher le fume. Vraiment, il n'y a pas match. Le mec qui boite là, qui ne sait pas se tape, le Punisher, il arrive. Non, mais c'est vrai que Punisher, lui, ce type, c'est un goat quand même. Hein. Un goat. Ah, mais gros, John Wick, mon gars, il vise très vous comparez. Vous comparez un mec qui se tape avec des Yakuza avec un mec qui s'est déjà tapé avec des Kaïds, avec des Rhinos, avec des Daredevil. Voilà, tu vois. Je suis 12 sur l'univers, ouais, j'avoue. Et voilà. Mais après, si tu compares le Punisher de la série avec le Punisher, avec John Wick des films, là, ça se tape. Je pense Punisher lui met une branlée quand même, hein, je pense. Ouais, le Punisher le fait quand même. Hein. Non, une branlée, c'est ce que c'est. C'est genre vraiment, il le déglingue. Je pense, hein. Surtout que maintenant qu'il est rentré dans le MCU, tout c'était upgrades. On voit Daredevil, il a été upgrade. Il peut faire des saltos du futur face à She-Hulk. On voit Kaïd, il peut balancer des voitures maintenant. Il peut résister aux balles et tout. Oh, salto dégueulasse, frère, il était moche. Le Kaïd, il est par balle, donc non, le Punisher qui va revenir dans Born Again, vous allez voir comment il a upgrade, il va votre John Wick, il tiendra pas deux secondes. C'est des moustiques. Ouais, John Wick, il est tombé de 500 escaliers, il est remonté comme si de rien n'était. Et c'est vrai que c'est celle-là. En plus, il est tombé deux fois des escaliers, c'est n'importe quoi. Il a survécu. Après, John Wick, même en boitant avec une main cassée et tout, même à quatre pattes, il fume tout le monde. Ah, ça, c'est n'importe quoi. Par contre, c'est trop stylé. Sa veste en mode pare-balles, il la prend comme masque. Ah, si, c'est trop stylé. Ouais, c'est... Mais en fait, c'est comme dans... Comment ça s'appelle? Kingsman. Ouais, mais c'est pour ça qu'il se prend pas... Tu vois, il se prend pas vraiment des coups de balle. Or que le Punisher, il se prend tout ce qu'il veut. Il est toujours là. Il est là pour abattre. Il se mange une balle pour lui, on est jeudi, tu vois, il n'a rien à faire. Il arrive, il t'attrape et c'est fini. Il se relève à chaque fois. C'est « I can do this all day ». Non, il est là. Le Kaïd, il veut pas lâcher le poulet. Non, le Kaïd, il va jamais lâcher. Le Kaïd, il va jamais lâcher, il faut le tuer. Ça fait combien d'années, il est là, le Kaïd, même? Depuis, on le voit, il respawn à chaque event. 10 ans, il est là, maintenant. Il veut pas lâcher, il est toujours là. Je peux toujours revenir une autre fois. Toujours, il est là. Je te jure, c'est le Joker, ouais. Il est en prison, mais il arrive toujours à ressortir. C'est le film avec Vincent Donofrio. C'est le seul, lui, il doit se forcer à rester gros pour jouer le Kaïd. Il en a marre. Ouais, mais je suis mince de base. Et c'est pour ça que dans Born Again, il est plus aussi gros, tu vois. Ouais, il est plus aussi gros dans Born Again. Ouais. En plus, il y avait un gars à la Comic-Con. Qu'est-ce qui lui ressemblait, c'est un truc. Ouais, de ouf. Ah oui. Il a pas fini. Pour être sa double. Je pense que si, il était plus grand. Oh là 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 là.
Ah, parce que le book, il avait la rousse. Il n'a pas. Il avait la carrure, mais vas-y, il n'était pas assez grand, je trouve. Ah. Mais en vrai, sur la photo, il avait l'air grand de ouf. Il faisait 1 mètre combien à peu près? J'étais plus grand que lui. Hein. Et toi, Gon, tu fais 1 mètre combien? 80. Ah ouais, ouais. Après, je sais, Mathias aussi, lui, il est bas de grand. Mathias, c'est un peu plus grand que moi, je crois. Toi, tu faisais 1m83, je crois, Mathias, non? Ouais, 83 la dernière fois que je me suis. Enfin, même, tu fais toujours 1m83, j'imagine. Non. Mathias, toi, quand je vais te voir, je vais pleurer là. Calme. Vraiment voir Luke Cage. Il va de ouf. C'est le caïd du film Daredevil, là. Non, mais Mike Clarendon, lui, il était vraiment imposant. Lui, c'était vraiment le caïd, tu vois. Bon, lui, c'était vraiment le caïd. Hein. J'aurais kiffé le voir genre dans un film de Tobey Maguire. Ça aurait été tellement ouf, stylé. Surtout, il est vraiment costaud, tu vois. C'est pas il est juste gros, tu vois. C'est qu'il est costaud. Ah Toby, ouais, non, mais Toby, il aurait jeté une aiguille d'horloge dans la tête, là, comme il fait Octopus. Il n'y aurait plus de caïds. Heureusement, il n'était pas là. C'est mal accès. On s'est égaré un peu là. Là, c'était pour John Wick. Michael. Vrai, le film sur Ah oui, le film Michael. Il y a le trailer qui a été montré au truc là. Il y aura 30 musiques. Ouais, bon, j'ai musiques. Peur parce que le film a coûté. Attends, c'est le film Michael Jackson. Ouais, Michael Jackson. T'as l'air d'avoir coûté cher, attends. Bah, c'est sûr, ils ont pas dit. Ça va être incroyable. Ils avaient pas montré une scène, ils avaient dû au CinemaCon, à ce qui paraît, elle était trop émouvante aussi. Ouais, je pense. Ils ont montré tellement de scènes que je suis. Ouais, with the very first look at the Michael Jackson biopic, hein, directed by Antoine Fuqua. Eh, les gars, je suis trop fan de Michael Jackson. C'est trop une des. Ouais, mais comme c'est Hollywood, les biopics. Après, ils ont pris le neveu de Michael Jackson pour le jouer. Donc, ouais, mais tu vois, c'est comme. Vous avez vu Strada Compton? Non. Non, je ne l'ai pas vu. AWA, tu vois. C'est que même pour jouer le rôle de Ice Cube, ils ont pris son fils. Quoi? Et on dirait deux gouttes d'eau. Je te jure, je me suis dit. Attends, le film, il est sorti? Il est sorti en 2015, le biopic, wesh. Et ils ont pris le fils de Ice Cube pour jouer Ice Cube. Bah ouais. Et la ressemblance est folle, mais le problème avec ce genre de film, c'est que parfois ils font que sur une période de vie où soit ça survole de ouf, tu vois. C'est ça, t'as vu le film Bob Marley, il y a un moment du film, ça a rushé de ouf. Genre, on a passé une étape de sa vie, mais genre trop vite. Après ça, c'est spécial parce qu'ils se sont vraiment concentrés sur les deux dernières années de sa vie, tu vois. Mais du coup, là, Michael, je pense qu'ils vont plus passer les étapes et plus se concentrer quand il était blanc, quoi. Quand il était blanc. Eddie, gros, il est dingue, hein. Les gars, on se rend pas compte, hein, mais il était quand même noir. Mais noir. Il est devenu blanc, mais blanc. Et il ressemble à Morbius, vers la fin. Non, mais en plus, sa gueule, elle me faisait flipper par la fin. Ouais. Dites-vous le noir le plus acclimé. Moi, je me disais juste, t'as vu, on voyait, y avait quoi, le clip Thriller, il est noir. Et là, tu passes au clip Bad, il est blanc, mais genre, moi, ça me. Je me disais plus tout quand j'étais petit, je me disais, oh, tranquille. Et après, de fur et à mesure, tu. Tu t'es dit, ils ont mis du maquillage histoire d'eux. Et surtout que sa gueule. Alors, je ne comprends rien. Hein. Ouais, jamais. Hein. Il était grave BG, ce mec. Vraiment, hein. L'époque d'être déjà. Non, ce film-là, j'irai le voir perso, Michael. Évidemment qu'on va le voir, tu vois. Évidemment, c'est Michael. 18 voilà. Avril 2025. Il est plus connu que le pain, les gars. Vraiment. Attends, le film a coûté 155 millions. Hein. Ça va. Ça va, en vrai. Ça va. Non, parce qu'après, à Skip, il y a quand même du casting. Tu vois, j'ai vu qu'il y a Coleman Domingo, il y a Regina Hall. Attends, t'as dit 150 millions pour un biopic? Mais qu'est-ce qu'ils vont raconter dedans, wesh? Ah, ben, soit c'est les acteurs qui ont pris, ou soit c'est les droits des musiques. Peut-être qu'ils vont faire le. Ouais, je pense déjà le droit des musiques. Et je pense aussi qu'ils vont faire le Moonwalk sur la Lune. Peut-être. Je pense qu'ils vont recréer des décors des clips.
Ouais, mais c'est comme, mais ils vont reproduire Bohemian Rhapsody, quoi. Voilà. Ils vont reproduire exactement le même schéma. Non, j'espère que ça sera bien, parce que Michael Jackson, il est trop attendu au tournant, celui-là. En tout cas, ils peuvent pas. Enfin, s'ils se ratent, la so... enfin, déjà, s'ils se ça peut pas être pire que l'autre. ratent, le réalisateur, finito. Finito, fin de carrière. Ah ouais, s'ils ratent ça, ouais. Fin de carrière. Ça, c'est... Non, 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 mais déjà, là... le film, il peut pas être pire que l'autre biopic là, qui nous avait fait à l'époque, là, où c'était un noir qui s'était fait une white face vraiment affreuse de ouf pour le film. Et je te jure, le fils d'un film d'horreur. Et mon gars, et je te jure, Flood, il faut que tu streames ce film. Non, 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 non. Je suis mort, et je suis mort. Non, 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 non. Allez. Juste qu'elle a mis un film d'horreur. Il s'est fait une face, et je suis mort. Sur Michael Jackson, je pense que le prochain, ça va être P. Diddy, hein. On a... Non, merci, non, merci. Non, non, on l'attend au tournant, lui. Produit par 50 Cent. Non, en vrai, ce serait lourd. Hein, Ario, ah, il a dit, Mathias, tu peux jouer le Joker avec ton rire. Pourquoi il a dit ça, bordel? Ah ouais, hein, purée, ben, le Joker, il a bien bronzé, là. Purée, il est pas d'où il vient. Hein. Il a fait comme Oncle Rucus dans... Il a fait Michael inversé. Michael inversé. Bon, ça, c'est le truc Warner. Attends, c'est quoi ce bruit là? Bref. La Warner, qu'est-ce qu'ils nous annoncent, la Warner? Bon, Furiosa de Mad Max. Attends, il faut que tu partages ton écran. Ah oui, merde, merci. The Flash. J'oublie qu'à chaque fois que je. Oui, bien sûr. Je m'étais mangé une sauce quand j'ai dit n'allez pas voir The Flash, ça va être de la merde. J'ai pas besoin de le voir pour vous dire que ça va être de la merde dès que vous allez donner de l'argent à Warner et que ça va être quand je cherche ce film. Mais si manger une sauce, ils m'ont dit tu l'as pas vu, tu peux pas savoir que c'est de la merde. J'ai dit je sais. Le et film en est plus, sorti. Le film Flash, je l'ai vu genre dans une des seules salles vraies IMAX en Europe, tu vois, à Bruxelles. Ah ouais. J'ai payé ah ouais. 20 euros, 20 euros ma place. Pourquoi t'as mis de l'argent là-dedans? 20 balles. Aïe, 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 aïe. 20 balles. J'étais avec un pote, je me dis ah, je vois. Moi, les gars, je l'ai vu au Grand Rex. 30 minutes après. Ouais, Gon, toi, tu voulais. Vous deux là, Mathias et Gon, vous voulez vraiment dépenser votre argent, mais dans ce inutile. Tout ce que je me dis, c'est au moins j'ai pu voir Michael Keaton, t'as vu? Bellic. Non, mais. T'as pas vu Michael Keaton? Non, mais Michael Keaton, tu l'as vu à 20 mètres de là. Je sais pas si. Non, même pas. Si même pas. Vraiment... Dis-toi, j'étais à même pas 5-6 sièges de lui, genre. Ah, jure, t'étais à 5-6 sièges. Hein. Un gars, j'étais proche de ouf, j'étais presque à côté. Bah, ça va. Honnêtement, flemme de me déplacer pour voir Michael Keaton si c'est pour voir un film de merde comme ça. Hein. Non, par contre, ouais. Et j'avais vraiment, tellement ouais. Là. Déjà, juste, j'ai vu. Tu commences le film, tu te dis, oh, ça peut être pas mal. Tu vois la scène des bébés, t'as envie de te tirer déjà une balle dans la tête. Ouais, non, mais même là, je me suis dit, hey, soul, non, mais... vois, c'est cool le début, tu vois. Ouais, après, je vois qu'il y a un double lui qui fait des faces bizarres avec sa bouche. Non, en vrai, tu vois, genre, moi, le problème du film, c'était plus l'histoire, tu vois. En vrai, moi, quand j'ai vu les effets spéciaux, je me suis dit, bon, le film, il a tellement pris du retard, il a tellement été rush que les effets spéciaux, carrément, c'était normal. C'est même pas ça qui m'a dérangé en plus, tu vois. C'est par contre, pas ça. Non, j'avoue, par contre, quand j'ai vu Nicolas Cage, j'ai dit, mais c'est quoi cette tête? C'est quoi cette tête en CGI? Ils ont rien respecté, en fait. On dirait pas c'était un personnage de jeu vidéo PS3, genre mais de si, ouf, mais ouais. On dirait le mec. Mais vraiment, mais c'est surtout que les caméos sont irrespectueux. C'est vraiment, dis-toi que le premier acteur qui a apparu, il est mort. Attends, à cause du rôle de Superman. Mais en plus, il s'est suicidé à cause du rôle. Vraiment, il s'est donné la mort à cause de ce rôle. Et ils l'ont fait, non. Ils en avaient plus rien à faire, hein. Mais clairement, ils en avaient plus rien à foutre. Ils se sont dit, on met tout et on jette tout dans le même film. Vraiment, surtout que ça sert à rien dans le film. Le plus drôle, c'est l'acteur de Zoom. Quand on voit J.Y. courir, il se dit, mais attends, mais c'est moi ça. Tu sais, le mec qui regarde le film. Attends, mais qu'est-ce que je fais là? Attends, mais finalement, tu sais que j'ai trouvé des images. C'est même pas Zoom. Bon, ils ont pris le même costume, mais c'est un autre acteur là.
Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un acteur qui est inconnu au bataillon, tu vois. Mais on lui a dit, est-ce que tu veux faire ça? Il a dit oui. Bon, voilà. Mais ils ont visage. Hein. Ouais, ouais, mais c'est pas Zoom. Bon, ils ont pris le même costume, mais c'est pas lui. Mais c'est pour ça qu'on dirait que c'est lui, tu vois. C'est un acteur. C'est quoi qui m'a foutu le plus? Vous savez, c'est quoi qui m'a foutu le plus mémoire? C'est genre après le film, genre l'interview de Andy Muschietti qui dit oui. Il y avait Reverse Flash en gros dans le film, mais comme le papa il était là, du coup il a empêché Reverse Flash. Du coup, c'est ça le truc. Et je me suis dit, mais what the fuck? Et dis-toi que si le daron va pas chercher les tomates, Reverse Flash il tue pas la daronne. Vraiment, non, mais, c'est dinguerie. Non, mais le truc c'est que même il avait dit que normalement Linda Carter et Grant Gustin devaient être dedans, mais il y avait pas assez de place. Mais non. Comment ça, il n'y avait pas assez de place? Il n'y a pas assez de place. Ils ont préféré mettre Nicolas Cage et un fantôme. Deux fantômes. J'aurais préféré mille fois voir Brandon et Grant que voilà, c'est bon. Hey. Non, mais c'est une dinguerie de ne pas mettre l'un des premiers acteurs qui a joué Flash. Ouais, John Wesley Shipp. Grant Gustin, tu vois. C'est une dinguerie. Vraiment, surtout c'est Grant Gustin qui a popularisé le personnage ces 10 dernières années, tu vois. Mais ouais, voilà. Qu'il a fait apprécier même carrément. Genre s'il y a autant ouais, de voilà. Flash aujourd'hui, c'est grâce à la série. Vraiment, il a carré le perso pendant 10 ans. Tu peux pas, voilà. C'est... Non. Bah cette place, genre c'est un salon, mais vraiment c'est ça. Hein. Même vous savez, il y a des potes que je connais avant, pour eux Flash c'était juste un mec qui court vite. Genre il avait pas d'autres pouvoirs. Et genre en regardant la série, ils ont découvert que il avait plein d'autres capacités, genre. Même si que la série. Mais il a trop de capacités. Même à débat, même avec la série, l'acteur, c'est un bon... avec ouais. La série, même t'apprends à t'attacher au personnage. Tu vois en fait que même il y a un côté de ces matures, je sais, c'est pas juste le mec. Tu sais, on le voit un petit peu parfois comme le mec petit rigolo qui fait des blagues et qui court vite seulement. Mais là, genre tu vois dans la série, on va beaucoup plus loin que ça. Ouais, hein, mais c'est ça au début, hein. C'est drôle. Mmh. Et après, de saison en saison, il prend en sérieux, en maturité, tu vois et tout. Bah, il vieillit aussi. Ouais. Ouais, il trouve une femme. Même ouais, si les persos autour sont OSEF, de base, et le perso principal est bien. Hein. De base, le flash rigolo, c'est un peu c'est Wally West. Hein. C'était ouais. Moi, Barry Allen. Ouais, mais même en vrai, le Wally dans la série, ils l'ont fait apparaître vénère. Hein. Le Wally, au début, il n'était pas du tout joyeux. Hein. Ouais, non, moi, je trouve. Ouais, mais après, il y avait des circonstances, tu vois. Quand il devient flash, ouais. Qu'est-ce qu'il est gaze? Eh moi, Wally West Renoir, là, dans les comics, il a trop de flow. Ils n'auront même pas mis son costume argenté. Normalement, il est rouge argenté. Eh, mais l'acteur, voilà. il devait apparaître pour la suite. Mais comme le tournage, ça se passe au Canada, il faut encore assez loin, donc il y a conflit d'horaire et tout. En gros, il le paye pas assez. C'est pour dire ça. Non, c'est même pas ça. Je pense que la CW, il ralasse même. Hein. C'est ça, je pense aussi. Il ralasse trop ses acteurs. S'il payait bien, il serait allé au Canada, il serait même allé au Wakanda, si tu veux. Mais là, il le paye pas assez. Donc, il n'est pas allé. C'est tout. En plus, il apparaissait pas dans les Jours of Tomorrow, je crois. Bon. Je crois qu'il apparaissait dans les Jours of Tomorrow. Ouais, à l'époque. Ouais, il était apparu pour nous. Mais il devait revenir pour le final, mais vas-y. Flash, t'as la saison 6, les gars. Tu vois comment tu me diras, heureusement, t'es pas venu pour le final au vu de l'épisode final qui était totalement. Ouais, c'est beaucoup trop rushé. C'est rushé. Nora West Allen. Il n'y avait pas un speeder qui avait un logo un peu Batman. Je préfère. Ah oui, c'est le. Red Death, entre guillemets. Alors, expliqué dans les comics, il y a un mec qui m'a dit, il a pris Batman, enfin, c'est Batman, il a chopé Flash, il l'a attaché sur sa Batmobile, et quand ouais, il conduisait avec pour devenir Red Death, il a pu récupérer la force Velocity. Sauf que là, ouais, mais sauf que dans la série, c'est pas comme ça. Hein. Dans la série, c'est pas comme ça. Il me semble dans la série, c'est la vitesse pure négative, à retrouver Batwoman, et tout, et elle est devenue elle est devenue un espèce de reverse Flash au mode Batman. En fait, c'est ça le problème des comics. Ils aiment trop partir en couille. C'est ça leur problème. Ils créent des trucs. En vrai, c'est l'event.
En vrai, c'est l'event en lui-même, il est couillu. Parce qu'en gros, c'est l'event où il y a le Batman Holo aussi, ça réunit tout. Et déjà, l'event, c'est n'importe quoi. Donc, du coup, les personnages, t'imagines que ça va dans le même sens, quoi. Ouais, hein. Après, c'est bien avec la CW aussi, parfois, ils réinventent les événements. Et c'est plutôt bien fait, tu vois. Franchement, l'événement Flashpoint, il était sympa, hein. Même si c'était pas fidèle. J'ai trouvé ça sympa, tu vois. Ça m'a pas dérangé, tu vois. Même le délire où, où Arrow il devient Flash et Flash il est ouais, ça drôle. C'était bien, tu vois. Après, c'était cohérent, tu vois, et tout. Donc, ça allait, tu vois. Ouais, c'est des petits trucs marrants. Ça, c'était pas pendant le. Elsword là. Ouais, ça, c'était cool. Rien que ce crossover-là éclate. Même l'univers d'ici de ces dernières années. Là. Attends, dommage que les éclatent. Sauf de Batman, bien évidemment. Voilà. Oui. Attends, de quand Batman. Tu penses que les dernières années, tu comptes. Attends, ça éclate le film The Suicide Squad? Non, ça tue pas. Non, de sous. Ah, je me disais. Hein. Il était bien. Il est grotesque, hein, le film. Hein. Mais dis-toi, Mathias, dans le Arrowverse, on a eu droit à I Am Vengeance. Il était hard, celui-là. Hein. On veut plus jamais le revoir. Oh, mais après, ils ont fait apparaître Kevin Conroy. Et ça, reste pas à eux, tu vois. Ouais. Kevin Conroy, la voix de Batman en animation. En plus, ce qui reprend dans la série, c'était le Batman du comics Kingdom Come. Ah oui, Kingdom Come. Ouais, bah oui. Parce qu'il est vieux et il a l'exosquelette. Ouais, j'ai l'exosquelette. Sauf que... je sais pas... On dirait qu'il a tué Superman, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Ouais, bah non, parce que dans Kingdom Come, Superman, il est vivant. Superman, il vit encore pendant des siècles après. Ils sont toujours potes et tout. Ouais. Après, ça va être un reverse truc. Après, je trouve ça bien qu'il réinvente un peu, tu vois, comme ça, on a une surprise. Hein. En tout cas, lisez Kingdom Come, les gars, c'est un des meilleurs comics d'ici. Ah, il est trop bien. Il est incroyable, ce comics. Le seul problème, c'est les dessins à mes yeux. Ah ouais, tu trouves? Mais non, mais les dessins. Les dessins, pour moi, ils sont grotesques. Ils sont grotesques pour moi. Ah, mais pour moi, ça me dépayse trop. Ah ouais, non. Mais non, c'est Goddess, tu vois, c'est les dieux et les monstres, tu vois. Gods and Monsters. Ouais, tu vois, c'est un effet dieu et monstre, mais vas-y, c'est pas mon style de dessin, quoi. Ah, ok, bah, je vois. Ouais, toi, t'es plus à année 2000, j'imagine. Terme de dessin. Ouais, comme ça fait un peu vieux, tu sais, peinture à l'huile, genre un petit peu comme à l'époque. Ah, je vois ce que tu veux. Alex Ross, ah là là, il est incroyable. Hein. Il est fort. Hein. Mais en tout cas, les dessins, ils sont très bien faits. Hein. Monsieur, je sais pas mon délire. C'est spécial. Spécial, Alex. Ouais, c'est spécial de ouf. Mais Furiosa. Parce que... Il sort déjà le mois prochain. Hein. Je pense que c'est la bande-annonce qu'on a déjà tous vu, celle-là, non? Ouais, hein, il était sorti déjà, ça fait un petit moment. Hein. Ouais, ça sert à rien de la mettre. Ouais, ça fait un petit moment. Il y a Chris Hemsworth dedans. Bon, après, moi, j'ai pas trop d'attente par rapport à ce film. Je sais qu'il sera. En fait, dans le film, ils ont annoncé que les trois chapitres. Ce sera dans un film, ça veut pas dire les trois films, hein, Furiosa. Mais je crois que le premier chapitre, ça s'appelle. Je crois que je l'ai mis sur Twitter. Le premier chapitre, c'est le début de l'Odyssée. Après, la naissance d'une guerrière. Et là, le troisième chapitre, c'est le temps de la vengeance. À mon avis, ça va être un film assez long. Je pense qu'il va durer au moins 3 heures. Facile. 3 heures? Je pense. Hein. Ah ben voilà, Heure Odyssey Begin. Donc, son Odyssée commence. Furiosa est une jeune enfant avec sa mère. Bref. Après le début de la. Attends, mais spoil! Je vais pas lire. Non, mais voilà, c'est pour ça. Quand c'est adapté de livre, va pas les lire. Non, quand tu sais. à part si tu t'en fous. Tu vois. Ouais. Mais bon. Ça, c'est un film que j'irai voir parce que j'ai bien aimé le Mad Max de 2015 là, avec. Comment il s'appelle? Tom Hardy. Tom Hardy, ouais. Et Charlize Theron, c'est ça. Ouais. J'ai envie de voir ce qu'il donne Chris Hemsworth en méchant. En vrai, Chris Hemsworth, il a l'air cool. Hein. Il a l'air vraiment sympa dans le film. Parce qu'il paraît, il s'est inspiré de vrais dictateurs pour pouvoir bien gérer le rôle. Donc j'attends de voir ce que ça a donné. Inspiré de vrais dictateurs. Je me demande, il a pris quel dictateur? Je sais pas. Hein. Il s'est inspiré de vrais dictateurs. Il n'a pas donné de nom.
C'est bizarre. Hein. Wesh God. Wesh. Hein? Je l'ai vu. Et God. Je regardais pas les... Joker. Oh là là. Bon, je remets la bande-annonce, mais c'est tout. Pour notre plaisir personnel. Parler du Joker. Lady Gaga va bien manger grâce à ce film. Va sortir un album. En plus, je crois qu'elle ralasse 5 millions, je crois. Bah, c'est sûr. Ouais, c'est une dingue. En plus de ça, elle va faire un album pour le film. Et comme ça, elle va encore ralasse. Après, elle fera une tournée. Bénéfice max. C'était ça avec Star Is Born. Hein. Ah, hein, c'est ça. Ouais, c'est sûr. Star Is Born, pas... l'album, il est pas mal de ouf en plus. Hein. C'est une bête d'actrice en vrai, Lady Gaga. J'aime pas trop la chanteuse en soi, mais en actrice, je trouve qu'elle est très forte. Et c'est une personne assez spéciale, je trouve. Aussi. Ouais. C'est la vidéo où il y a DiCaprio et il mate son boule. Ah, j'ai pas vu. Cérémonie, gros. Ah, c'est, j'étais mort déjà. Ah, ça doit dater, ça. Ça doit dater de... Cérémonie d'Oscar, gros, je crois. Elle avance, DiCaprio, il est en mode... j'étais mort de rire. Ah, mais ça doit dater d'il y a au moins 15 ans. Facile. Ah ouais. Non, pas 15 ans, je pense. Ouais, c'est... Bah, à l'époque où elle avait moins de 25 ans, quoi. Ouais, c'est... DiCaprio, on connaît, hein. Mais connais, c'était traqué. Ouais, tu vois, c'est pour ça. Tu... on connaît ce malade mental. Ouais. Oh... Par contre, le film a l'air très beau en termes de décor et tout. Ouais, mais après, non, j'avoue que... Ils ont pris 200 millions, non? Ouais, je mais crois, le coût, ouais. Le film a coûté plus de 200 millions, hein, donc en vrai, ça fait... Cette scène, elle est incroyable. Non, mais là, j'ai trop kiffé le délire. Quand ce genre de film a coûté cher, je sais pas où... Après, je pense qu'ils vont... En fait, j'ai l'impression que tout le film, ça va être des trucs comme ça. Ils vont forcer... à dire, regardez, on sait faire cet effet stylé, regardez, on sait faire cet effet stylé. Et au final, ça va un peu tuer le film. Parce que voir un effet stylé, tu dois le faire une fois de temps en temps, comme ça, pour la symbolique. Mais là, j'ai l'impression que tout le film va faire que ça. Bah là, ça faisait une moustache, là. Ouais. C'est vrai. Attends la suite. Mais en vrai, si tu regardes, il y a plein de ça, scènes. C'est stylé, voilà. Genre, c'est la seule lumière, c'est sa cigarette, sa clope. Ça fait. T'as le truc avec les parapluies qui sont en couleur. Qui fait référence à... Ça, c'est stylé, ça. Un vieux film. Il y a trop de références dans ce film aux comédies musicales. Ils vont jouer de ouf avec ça. Singing in the rain. Non, mais surtout que Harley Quinn, là, enfin Lady Gaga, ou je sais pas ce sera quoi son blaze, mais genre, elle reprend souvent les mêmes scènes qu'il a fait le Joker, mais seul dans le premier film. Là, ils vont être deux. Ouais, ils vont être deux. On a vu des images qui ont fuité ça. Sur l'escalier, là, avec les mêmes... Ouais, ça, c'est une ref à un truc. Je sais plus c'est une ref à quoi, mais c'est une ref à un truc, ça. Ouais, mais c'est beau. Ouais, il y a Rage qui a fait une vidéo dessus. Ouais. Ah, faudrait que je regarde cette vidéo. D'ailleurs, Rage, il avait dit quoi? Il pense qu'en gros, Harley pourrait potentiellement le manipuler, lui. Pas possible, hein. Il y a moyen, hein. Les gens même, ils disent, est-ce que c'est pas une personne qui s'est inventée? Bah, après, ça m'étonnerait. Je pense pas, je pense que ça va être une vraie personne. En fait, ça va être vraiment quelqu'un qui va vivre la même folie que lui, quoi. Ouais, par contre, là, il se fait courser par lui-même. C'est pas une vraie personne, non. C'est un truc que j'ai pas remarqué, mais c'est par un mec qui est déguisé pareil, j'ai l'impression. Ouais, ça, il se fait courser par lui. C'est pour ça, mais je pense, après les émeutes là, du premier film, je pense que tout le monde est matrixé par lui. Ouais, ils sont tous matrixés par le Joker. Est-ce que vous pensez qu'on va revoir les Wayne? Ouais, on les voit. Ah, c'est pas le ref ou un truc dans le genre? Oui, bah oui, c'est le fils de Bruce Wayne. C'est bon. Non, c'est lui. C'est le grand frère. Le frère de Bruce Wayne. C'est, frère de Bruce c'est lui Wayne. Qui pense ça. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Attends, mais est-ce que c'est vrai ou pas? Non, ou c'est. On n'est pas sûr. On ne sait pas. Et même, regarde la scène, en gros, la scène où il parle à Thomas Wayne, ça se trouve, elle s'est même pas passée cette scène. Genre, parce qu'il y a un cut bizarre. Il y a plein de scènes, en fait, il a l'impression il l'a vécu alors que c'était dans sa tête. Ouais, ça genre à la Fight Club.
C'est référence au premier film encore. Je dirais qu'il est beaucoup plus apprécié. Ouais, il est beaucoup plus apprécié. Hôtel Arkham. Ben... Non, mais le truc c'est qui me choque, c'est qu'ils ont une émission et tout. Et voilà. Ça c'est hein. Là, pareil, ils courent. Comment ils tiennent la main et tout, ça fait un peu une forme de cœur et tout. Alors de ouf, c'est pour ça peut-être ils s'imaginent tout ça, ouais, je sais, un fight club dans sa tête. Ouais, un fight club dans sa tête. Je me dis, soit ils s'imaginent tout ça dans sa tête, soit j'ai l'impression en fait ils vont faire trop le truc stylisé. Et après, j'ai un truc à dire sur le Joker là. C'est que bon, j'ai pas l'impression que. Enfin, le premier film Joker, ok, il est bien, hein, mais c'est pas un film Joker. Hein. Ouais, bah après, le personnage n'a rien à voir avec le Joker. Ça permet de revisiter le perso, tu vois. En vrai, ça bah, ils l'ont revisité de façon plus artistique, on va dire. En vrai, là, c'est le film Joker, c'était un. C'est cool, tu vois, de pas avoir la même chose à chaque fois. Après non, aussi, bon. Bah, en fait, le truc, c'est que c'est tellement différent. Que ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment. En fait, ils auraient pu appeler le film n'importe comment, ouais. Ça serait passé, tu vois. Genre, je comprends. Rien dans le film Joker, tu vois. Genre, c'est juste, on va mettre le nom de Joker pour se faire du bif. C'est ce que je veux dire. Genre, de base, c'est une idée de film. Le personnage qu'on voit et tout, on vit une folie et tout, c'est vraiment le Joker en soi. Mais après, j'avoue, t'aurais pu mettre un autre personnage, mais le personnage qu'il incarne, c'est le Joker en soi. Mais c'est une adaptation différente. Bon, pour les fans des du Joker, ils ont dû râler très, très probablement, tu vois. Ouais, je sais pas. Ah, mais c'est sûr. Hein. Mais bon, après, c'est mieux de faire un film Joker comme ça qu'un vrai film Joker, parce qu'un vrai film Joker, je souffle. Surtout après Jared Leto, on va pas se mentir que ce film, je pense que les fans du Joker, ils ont été contents, je pense. Ouais. Jack Nicholson, il avait une gueule. Hein, purée, ça me fait penser à l'épisode du Botox dans Ma Famille d'abord. Là. Beetlejuice 2. Par contre, les gars, j'ai jamais regardé le film Beetlejuice. Moi, tard l'époque. Hein. Moi non plus, je l'ai pas vu. C'est avec l'autre là, Jenna Ortega. Moi, je sais que Sabri, il est hypé par ça, mais moi, je suis pas. Moi, c'est Demi. Sabri, il a hypé partout et n'importe quoi. Oh, moi, je vous mens pas. Les gens qui vont aller voir ce film, même s'ils n'ont pas vu le premier, c'est parce qu'il y a Jenna Ortega. Réel, chef. Alors là, réel. Hein. J'ai fait la même proie. Hein. Elle joue si bien que ça, Jenna Ortega. Je joue aucun de ses films, aucun de ses trucs. Non, mais c'est... Elle vit côté de ouf à cause de Mercredi. Non, vois, elle est juste... Bon, en fait, Jenna Ortega, c'est une Zendaya. C'est une Zendaya, un peu. Ouais, c'est à cause de Disney. C'est les meufs. Zendaya, c'est Disney. Et comme elle est, elle est belle. Zendaya, mais Jenna Ortega, c'était une meuf de Disney aussi. Hein. Tu vois, genre, ces deux actrices qui sont un peu. Genre, tu les mets dans un film, les gens, ils vont aller voir. Tu vois. Sûr. Mais les gens ou les petits? Parce que là, quel âge? La 20 piges. Bah, en soi, elle a une communauté. Je trouve c'est plus les adolescents. Mais c'est à cause de Mercredi qu'elle est devenue côté de ouf. Hein. Ouais, c'est Mercredi qui a carré. Des... C'est Mercredi, et tu vois, sur Insta, elle est passée de 1 million à genre 20-15. Hein. Voilà. C'est comme Zendaya, quelques années encore, c'était les petits. Là, ça commence à prendre un public un peu plus grand. Vu qu'elle c'est à partir de Euphoria que les gens... l'image d'elle, la petite fille de Disney, tu vois. C'est ça qui est bien, tu vois. C'est ça qui est bien. La même chose avec Emma Stone, tu vois. Tu regardes Pauvre Créature, c'est bon, tu vois plus. Emma Stone. Son film, là, The Challengers, là, je vois parfois des teasers, je fais « Ah ouais, c'est ça le film !» C'est quoi ce film de détraqué? Je regarde. Ouais, vraiment. Bon, honnêtement, en tant qu'acteur, tu me dis « Ok, tu as joué un rôle, c'est ça, je signe pas. » Honnêtement, je signe pas. C'est quoi ça? Ouais, elle a une communauté de TikTok, bah, c'est ça. J'ai vu une... Oh, comment ça va, c'est un gars, ouais, je sais pas. Elle, c'est la daronne à Kevin. Ouais, Kevin de McAllister. Ah putain, je n'aime pas. Elle était dans... Argyle aussi. Fille. Mais tu sais même pas c'est quoi l'histoire de Beetlejuice. Je sais même pas. Putain, moi, ça fait pareil. Et là, elle l'invoque en gros, ouais, elle l'a invoqué.
Non, mais c'est pas la meuf dans... Ouais, de Stranger Things. Things, là. Ouais, c'est Winona Ryder. Ah, mais elle est dans le premier Beetlejuice, de toute façon, je crois. C'est ça. Peut-être. Bon, ça va sûrement être une suite ratée. Alfred Coog et Miles Millar sont derrière, hein. Les gens de Smallville. Ah. Alfred Coog et Miles Millar, c'est eux qui sont... Ils sont sur mercredi aussi, hein. C'est aussi. Moi, j'aime pas Tim Burton, les gars. Je vous mens pas. J'aime pas ses films. Les glauques. J'aime bien ces Batman, moi. Ah, moi, j'aime pas. Ces Batman, ils sont lourds. Mais tu une vitesse à Fleck, là. Moi, faut pas me dire ça. Après, à Fleck, il a pas eu de film, donc bon, voilà. Et moi, de toute façon, Affleck, s'il y a une bagarre entre tous les Batman, Affleck, il envoie tous les Batman. Simple. Après, ouais, mais après, il faut voir si Tim Burton, il faisait son film avec les technologies d'aujourd'hui, il faut voir. Ouais. Mais non, mais en fait... Le Batman de Keaton, il ne peut pas tourner la tête. Hein. Ouais, il est comme ça. Non, mais tu vois, mais il est là, il veut regarder à droite, il doit faire ça. Ouais, oh. Il bouge comme Mama PNJ sur GTA. C'est ce qu'ils avaient fait dans les Batman de Christopher Nolan. Il avait demandé après avoir un costume qui bouge la tête, comme il s'appelle. Ah oui. Bah Jim Bale. Bah après, le truc aussi, c'est que j'ai vu les scènes du Batman de Michael Keaton dans The Flash. Dans les films de Burton, ils se battaient pas comme ça, Michael Keaton. Hein. Ouais. Bah oui, bon, là, ils sont clairement inspirés de la... Bah, en soi, dans ces films, ils se battent pas comme ça, parce que c'était pour l'époque. Mais si on avait été dans cette époque-là, je pense qu'il se battrait comme ça à peu près. Ouais, hein, c'est ça. Après, il fait une dinguerie à 70 piges. Alors que quand il avait 40 piges, quand il avait 40 ouais. ans, il savait pas se taper, mais à 70 ans, comme par hasard. Le Bruce Wayne à cet âge-là dans Batman Beyond, il a une canne. Il fait rien du tout. Celui-là, il est enfant. Hein. Surtout que tu viens voir Bruce Wayne dans son manoir, il est vieux comme ça. Et Zarma, il va. Accepter que tu te fasses frapper par la foudre comme ça. En plus, il a dit Gotham, c'est la ville la plus safe. Ah oui, ouais, ça doit être ça. Ouais. Qu'il me fasse pas croire qu'il les a tous envoyés en prison. Ouais, hein. Ouais, ils ont tous. Juste pour combien d'années c'est ça. Non, mais le Batman de Keaton, il tue, donc il aura rien à foutre. Il les a tous tués. C'est pour ça qu'il est la ville. C'est quoi ça, The Watchers? Quoi, c'est le gardien dans Marvel ou quoi? Peut-être, hein. Parce que c'est cette merde. The Watchers. Ah ok, eux, ils vont invoquer. Ça va être quoi, Dakota Fanning? Ils vont invoquer une ballerine meurtrière. Ou ils sont sûrement surveillés par des gens, genre. Wesh, le souffle. C'est Genevieve ou quoi? Dans la forêt, mon frère. Mélange de Genevieve, The New Mutant. De ouf. Et j'ai pas vu The New Mutant. Hein. Oh, t'as rien raté, t'inquiète pas. Regarde pas, c'est mieux pour toi. Même si Magic, elle était stylée, mais vas-y. Ouais, mais ça se voit très bien qu'ils ont coupé des scènes. Ouais. De toute façon, quand le film devait sortir en 2018, il sort en 2020. Ouais, et puis après, il y a eu l'histoire du fait que ça a été racheté par Disney entre-temps, et du coup, ça a foutu la merde, je crois. Ouais. Parce que de base, ça devait être un film d'horreur. Hein. Ouais, mais c'est comme Venom. Venom, il nous l'avait annoncé comme un film d'horreur, ou Doctor Strange 2, pareil. Mais à chaque fois qu'il nous annonce un film de super-héros comme étant un film d'horreur, c'est... Bah, après, de base, le vrai Doctor Strange, ça devait être contre Nightmare. Ouais. Mais ça aurait été stylé. Oh, ça aurait été tellement stylé. Ok. C'est bon, elle est finie la bande-annonce. Ah putain, c'était long, sa mère. Ils aiment trop balancer des bandes-annonces de 2 minutes en ce moment. M. Night Shyamalan qui fait ça. C'est Night Shyamalan ? Attends.
Est-ce que c'est lui ou pas? Ah non, ah non, non. Il y aura sa fille qui jouera dedans, je crois. J'ai couvert l'annonce. Et si c'est lui, en vrai, le film, il peut être lourd. Hein. Oh, tu vois ça, Mickey 17, là, ce qui arrive, c'est... ça me hype tellement, les gars. Ça me hype. Il n'y a pas de bande-annonce avec Robert Pattinson, je crois. Ouais. Et je sais pas, il parle de quoi le film, par contre. Je crois que c'est un robot enquêteur au Japon, un truc comme ça. Oh, ça peut être stylé. Et en mode, c'est un peu comme... Bye, bonjour, Newman's. Tu sais, genre en mode, si le robot, il est détruit, il respawn, il y a un nouveau direct. Ou c'est des clones, je sais plus. Je sais plus c'est quoi. Soit des clones, soit des robots. Attends. 17 ou 19 ils ont dit il y aura Mark Ruffalo aussi. Jure. Attends, regarde, ouais, il joue un homme qui s'appelle Mickey avec un américain nerd. Oui, il y a Steven Yeun dedans. Il y aura Invincible. Ah, je vous jure, c'est l'air trop long. Il y a Planète en planète. Pour faire des travaux manuels. T'as vu, regarde, en mode each time he's die, a new clone is made. T'as vu, genre en mode dès qu'il meurt. Ah ouais. And get spun on a galactic adventure to survive. Have the movies, draws from his. Ah ok, il a mouru. Ah, il a mouru, j'ai dit, c'est une dinguerie. Mais il va mourir. Ah, il est mort ou il va mourir 17 fois dans le film. Je sais pas s'il va mourir 17 fois dans le film ou s'il est mort 17 fois. Ouais, je pense qu'il est mort 17 fois. Attends. Attends, mais c'est quoi ça? C'est un truc à la Altered Carbon ou c'est comment ça? Ah, est-ce que... ah ouais, c'est ça le truc qui est intéressant. Est-ce que dans le film, il a droit à que 17 morts ou est-ce qu'il est mort 17 fois? Ça, faut voir, hein. Mais le film, ouais, il a l'air intéressant en termes de synopsis. Par pitié, dites-moi quand sort le Godzilla Minus One SVP en digital. Je sais pas. Déjà, si tu vas le voir en digital, regarde-le en VO. Franchement, si tu regardes en VF, je peux plus rien pour toi. Et non, mais Soussou, il peut témoigner aussi, hein, je pense. Hein. Ça brille en VF. Non, mais c'est bon. Moi, c'est bon. Moi, j'en ai marre de tous ces gens-là qui regardent tout en VF. Et moi, c'est bon. Moi, j'en ai marre. Non, mais surtout la VF de Minus One, elle est dégueulasse. Ouais. Tu peux pas, wesh. Non, wesh, mon gars, mais tu sais, il y a des gens, c'est leur délire de ouf. En tout regardant VF, c'est leur truc. Comme le attends, S. Mais Flo, t'as pas parlé du logo de Superman, là, ou quoi? Ah, bah oui. Bah, attends, ils nous ont pas montré. Mais ouais, faut qu'on en parle. Bah, en gros, on a un logo. Voilà. C'est bon. Les gars, on a un logo qu'on a déjà vu. Juste, il est plus doré, voilà, c'est tout. Ouais. Donc c'est tout. Non, par contre, ce qui est fort, c'est que des gens comparent déjà avec Henri Cavill, alors que c'est juste un logo. Ouais. J'ai vu sur Twitter, j'ai fait des screens. Il y a des gens qui mettent, oh, this is the biggest the downgrade of history et tout. Je dis non, allez. Ils abusent aussi. C'est genre Clark Kent, il avait juste vu le logo, il avait dit ouais, il est bien, mais on fera jamais mieux qu'Henri Cavill. Direct, j'y compare direct avec Henri Cavill. Non, mais ouais, Henri Cavill, le costume est grotesque. Ça, on peut. Même s'il est un peu trop brosson, le costume est bien, tu vois. Mais franchement. Bien sûr qu'il est bien, mais tu peux pas comparer alors que. Et ouais, on peut pas encore comparer, c'est un logo, wesh. Et même, c'est inutile de comparer en soi, je trouve. De toute façon, Gunn part du principe qu'avec Clark Kent, même si le film Superman il est mieux que Man of Steel, il va dire que Man of Steel c'est toujours meilleur. Genre, non, mais... là, c'est sûr. Mais non, je sais déjà que le film Superman il va être mieux que Man of Steel. Déjà, tu vois, ce qui me fait chier, c'est quand il dit Henry Cavill c'est Superman, alors que c'est Christopher Reeves qui est Superman. Enfin, le vrai acteur, quand tu le vois, ce qui ressemble à Superman, c'est Christopher Reeves. C'est pas ouais. On n'aurait jamais eu le perso qu'on connaissait aujourd'hui s'il n'y avait pas lui. Hein. Ouais. C'est juste que Henri Cavill, il s'est approprié. Enfin, les gens maintenant qui pensent à Superman, ils pensent au visage d'Henri Cavill et tout. C'est la culture de l'instant, c'est les maudits 2000, comme d'hab. Mais celui qui est Superman, c'est Christopher Reeves. Et Christopher Reeves, mon gars, je conseille tout le monde à aller regarder ses films. Là, son acting, c'est. Mon gars, je pleure dessus, wesh. Toi, t'as vu les 4? Moi, j'ai vu les 4 films. J'ai vu les 4. Le 4, j'avais vu plus vieux. Parce que le 4, je savais même pas qu'ils en avaient fait un 4. Quand il se dédouble, wesh. Le 4, même si le film est aux F. DVX. Ouais. Je l'avais en DVX. Le 4 est claqué. Le 4 ouais. Est claqué. Même si c'est dilué. Le 3 n'est pas ouf. Le 3 n'est pas ouf, le 4 est claqué.
Le meilleur, c'est le 2. Le 1, le 1 et le 2, ouais. Après, le 2, il y a deux versions. Voilà, la cut, le truc. Voilà, Donner Cut. Parce que lui, ça se voit que c'est vraiment un vrai acteur, tu vois. C'est pas juste un type random qu'on a pris, tu vois. C'est un vrai acteur. Mais comme t'as dit, Mathias, la scène où il se dédouble, où genre il y a Superman contre Clark Kent, c'était trop stylé, ça. Et mon gars, c'est plus la même personne, je te jure. C'est là, c'est toute la magie. En plus, ton costume, il devient plus... Salut Edwin, comment ça va ? La barbe qui pousse et tout, genre, c'est trop drôle. Ouais, c'était le Superman alcoolo. Carrément, il y avait la tour de Pise. Il est arrivé droit et il y a le type avec les tours, là. Il a changé. Il a mis droit. Et puis après, il est revenu, il a mis penché, il a tout jeté. En vrai, il est revenu, il a remis de penché, c'est n'importe quoi. Et puis, et aussi avec les scènes avec les cacahuètes, ça, c'était sympa. Et ils ont refait cette scène dans la série Supergirl aussi, en référence à Christopher Reeve, parce qu'elle était méchante. Et en plus, elle a fait la scène avec les cacahuètes aussi. Celle qui faisait Lana Lang dans la série, dans le film, c'est celle qui fait du coup... Ouais, Martha Kent dans Smallville. Okay. Ouais. Et aussi, le fils de Lex Luthor, dans le film de Superman de Christopher Reeve, c'est le Lex Luthor du Arrowverse. Arrête. Ah ouais? Non, jure si vous. Le fils de Lex Luthor, Lenny Luthor, c'est le Lex Luthor de la série Supergirl. Attends, Lenny. Mais non. Mais non, chef, mais c'est incroyable. Et dis-toi que le Jimmy Olsen de Christopher Reeve, il a joué le rôle d'un kryptonien dans la série Supergirl. Ouais. Dans Smallville, c'est lui qui donne l'idée pour la montre en kryptonite. Ouais, je m'en souviens. Et il est aussi dans la Snyder Cut aussi. Oui, exactement, c'est le flic. Voilà, c'est le flic. Je l'avais reconnu direct quand j'ai eu sa tête. Il y a plein de rêves comme ça, c'est mon gars. Si, c'est des petits rêves comme ça, discrets, mais ça passe tellement bien. Même l'acteur de Superman et Lois, l'acteur de Superman, il est dans Smallville. Mais il en vite fait. Vraiment, t'es un figurant. Tu vas me dire que Tyler O'Clean, il était dans Smallville. Ouais, mais c'était genre en mode figurant. Je sais qu'il y a l'autre là, l'acteur de Scott. Même les gars, il y a la 78 ou 87, guêpe. Comment ça y a la oui, crise, la, ouais, l'acteur de la guêpe là. Je m'en souviens, juste elle arrive, elle embrasse un mec et elle se barre. C'est juste ça, c'était juste y a, ça. Ouais, il y a Amy Adams dans Smallville, mais dans Smallville, c'est bourré de caméos. Hein. Oh, mais il y a tout. Ah oui, c'est lui, Christopher, c'est celui qui est depuis 78, ouais. Yo, City, comment vas-tu? Il y a Carrie Fisher aussi dans Smallville. Exactement, exactement. Exactement, il y a même Margot Kidder aussi, mais... Ouais, ouais. Il y a la crise de Maria Hill aussi. Exactement, il y a... Ah, si tu prends tous les caméos... si tu prends tous les caméos dans ce podcast... Ouais, ça va être long, hein. Ah ouais, il y en a trop, il y en a beaucoup trop. Mais là, dommage, hein. je pense qu'on peut finir avec le truc pour lequel les gens ont cliqué, vont cliquer, voilà. Pour lequel ils se sont tapés 2 heures de live. J'aime bien. Disney. La cinéma gun. Attends, je savais même pas qu'il y avait un trailer de... Il est sorti il y a un moment, wesh. Ah ouais. Attends, je le regardais, je savais pas qu'il y avait un trailer. Mon film. Mathias, il y a nos cousins. Ça, c'est Sabri, il aurait dit ça. Non, mais Sabri, t'inquiète pas, on va l'attraper. On va l'attraper un jour. Mais là, ce qui est stylé dans le quatrième film, c'est que c'est vraiment la planète des singes, pour le coup. Là. Ouais, mais moi, il faut que je regarde. Ça me fume quand il continue de dire 20th Century Fox Studios, ça me fume. Mais attends, mais le studio, il existe toujours, non? Ou je sais pas quoi. Oui, ils existent encore. Ils font Crary, mais... Je sais, c'est même pour les signes, ils disent que c'était la faute. Le boss César qui est mort. Allez, go. Oh, il est féroce, hein. Solovar, ouais. Pour tous les singes méchants, il s'appelle Solovar. Maltazar, Solova, et que des trucs comme ça. Jury, c'est que ça les blase, wesh. Elle, c'est l'actrice dans The Witcher, elle. Mais elle, c'est qui, ça, pour le film? Parce qu'elle a des subs. Non, mais il sort bientôt, là. On dirait, bah ouais, il sort dans 3 semaines. Putain, faut que je me fasse un rewatch des trois premiers.
Et même des vieux aussi, tu vas les regarder, là, les vieux, là. Je rappelle le vieux, il y en a un des vieux que j'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça. Genre, il y a 5 ans. N'oubliez pas que le 2, il est fait par Matt Reeves, les gars. Ouais. Elle a des vrais sapes, elle. Ah, mais... Ah, des vrais quoi? Regarde, mais même moi, j'ai entendu... C'est un peu cousu et tout. Même moi, j'ai entendu quoi, un autre mot, Mathias. Non, mais quoi, ça? Non, ouais, j'ai entendu des vrais sapes, en mode... Ouais, des vrais sapes. Zara, là. En mode, on est à Zara, genre. Ouais, elle va faire la fin de John Wick, hein. Mais non, mais là, un pantalon et tous les autres, ils sont habillés comme si c'était... Parce que elle, à mon avis, en fait, ce qui va se passer, ça va être comme dans le premier film de... Enfin, tu sais, le livre de Pierre Boulle, là. Elle, à mon avis, elle vient de notre monde. Bah, en gros, là, c'est la Terre, c'est la planète Terre. Mais c'est après, ouais, c'est après les événements du troisième film, en fait. Ouais, mais moi, j'ai pas regardé. Dans le... Mais... dans le livre, ou dans les premiers films et dans le livre, c'est un mec, enfin, c'est un groupe de personnes qui voyagent dans l'espace. Et ils se prennent une faille, ils arrivent sur une planète où il n'y a que des singes. Et à la fin, le plot twist, c'est en fait, ils ont voyagé dans le futur. C'est pas okay. C'est pas une autre planète, voilà. Juste, ils ont voyagé dans le futur. Ouais, bah en gros, ils pensent arriver sur une planète. Imagine, tu voyages dans le futur, tu... S'il n'y a que des gorilles, ouais. Et le dernier... Et eux, ouais, ils arrivent. C'est des humains normaux, donc ils parlent. Alors que les autres humains, c'est Gorilla Wars. Non, 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 non. Gorilla Wars. Gorilla Sissi. Sachez que Gladiator 2, je suis en mode. Ah, je suis mort, Gorilla Sissi. Je vais épingler ton message. Il a dit Gorilla Sissi en mode, j'ai un Gorilla Grodd et tout, il arrive. Oh, vraiment, Gorilla Grodd dans le disque. Il y a les keufs Gorilla avec leur pistolet laser là. Oh, purée. J'ai vu la bande-annonce et apparemment c'est bien la vraie. On m'explique, PK, ça se passe avec des chevaliers alors que concrètement les combats de Gladiator se finissent en l'an 418 et que le Moyen-Âge voit le jour qu'en 476. Mais un faux raccord de malade. Attends, quoi? C'est avec des chevaliers, Gladiator? Deux? Hein? Non, je pense pas. C'est pas avec des chevaliers. Ils ont pas fait Gladiator 2 avec des chevaliers. J'espère pas. C'est quoi cette dinguerie? Il a vu, à moins qu'il a vu un autre film entre temps. Non, mais non, il a dit qu'il est choqué parce que lui il s'y connaît un peu dans le truc de l'histoire et tout. Il voit que Gladiator 2, il a vu une bande annonce. Il a vu ça se passe avec des chevaliers. En mode Gladiator 2, il y a Lancelot. Avec les mousquetaires. C'est quoi ces conneries là? C'est une dinguerie. Ouais, non, la planète des singes, j'attends fort. Hein. Je vais voir Day One. Enfin, Day One. Ah, je sais pas, mais le week-end. Week One. The opening week. Après, bon, ça est des Wolverine. On le connaît. Hein. Je pense qu'on n'a pas besoin de regarder. Hein, surtout qu'il y a le deuxième trailer qui sort le mois prochain. Ah, c'est le mois prochain. Ils ont dit une date ou pas? Mais normalement, c'est en mai. Hein. C'est en mai. Je sais plus quelle date. Et j'espère qu'ils vont tellement pas beaucoup montrer. Ah, mais c'est ça, je pense. Il suffit juste de drop le deuxième trailer et puis après, c'est bon. Ouais, tu vois, parce que non, des TV spots là, ça va pas me plaire. Hein. Ils vont faire des TV spots. Hein. En plus, comme c'est le seul film. En vrai, je pense. C'est leur seul film de l'année. Hein. Raison de plus de ne pas mettre de TV spots. En plus, c'est pas. À la CinemaCon, c'est pas, il avait dit quoi? Ils nous ont dit qu'un bug allait apparaître. Et vas-y. Ouais, carrément, il a dit ça va être un putain de film, vous n'êtes pas prêts, tout et tout. Ils y vont à fond au niveau marketing. Et mon gars. Il sait que le film, ça va faire le milliard. En vrai, les gars, dans quel monde ça fait pas le milliard, ce film? Non, mais ce film va faire minimum 1,5 milliard. Minimum. Obligé. Et le film, je pense qu'il va être grotesque, vraiment. Et ça, c'est parce qu'on vit la super haute fatigue. Hein. Sinon, il sera à 2 milliards. Le premier film, les gars, y avait des gens, ils savaient même pas que c'était un film Marvel. Hein. Ils sont juste d'aller le voir. Genre, c'est vraiment tout. Genre, vraiment, il y a plein de gens. Genre, c'est tout public, presque. Et après, vraiment, t'as des gens qui pensaient que c'était un film Spider-Man et qui montraient ça à leur enfant. Regarde, quand Marvel arrive à réussir avec ça, et tu vois que DC il galère avec Superman et Batman, c'est chaud, hein. C'est une dinguerie quand même. C'est une dinguerie. C'est chaud, hein. C'est chaud de ouf. Hein. Non, mais là, regarde, là c'est Ryan Reynolds, un vrai fan des comics, les gars. Genre, Il a fait un pressing sur la Fox à l'époque, je pense. Hein. Vraiment, il a des talents. Jusqu'à il a balancé le truc sur Twitter et j'étais mort de rire.
quand il a balancé. Et même reparti avec un costume, or qu'il n'a pas le droit. Le premier, c'est vraiment un braquage parce que le budget, il est de 58 millions. Oh. Et il a rapporté 783 millions. Oh là 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 là, purée. C'est un braquage. C'est vraiment le premier, c'est vraiment un braquage, le premier Deadpool. Et après, il est sorti à la bonne période aussi. 2016, c'était l'époque. Hein. Civil War, Batman et Superman, Doctor Strange. Il y a un héliporteur dans le film, ils ont fait craquer, c'était pas un héliporteur, vu qu'ils n'avaient pas les droits. Ouais. Mais c'est non, vrai, c'est pas un héliporteur, c'est un... Ça ressemble, mais c'est pas un héliporteur. Moi, ce film-là, il me hype pas. Hein. Je sais pas, moi, cher. En vrai, ça a l'air sympa, mais vous savez que... Si jamais tu l'as pas dans la liste, car j'ai envie de câbler. Ouais, je la regarderai, mais si c'est un leak, si c'est une bande-annonce qu'un leak, il faudrait que je pourrais la regarder que en dehors du stream. Vous savez que dans la VO de Vice Versa 2, il y a Adèle Exarchopoulos qui double. Ah ouais, elle double qui? Ouais. C'est. Elle a commencé. C'est la nouvelle émotion. La nouvelle émotion. Ouais. En VO, hein. C'est même pas en VO, c'est en VO, wesh. J'ai même pas vu le trailer carrément. Ah, je comprends voir, pas hein. La hype autour de ça. Wesh, elle a grandi. En fait, c'est le concept, c'est que maintenant, c'est une adolescente, donc il y a des nouvelles émotions qui vont arriver dans sa tête. Quoi. Ah ouais, en vrai, ça peut être intéressant. Arriver à l'école et tout, ah, mon gars, là, ça... En fait, ça, c'est un film que je ne fais pas pour le cinéma, tu vois. Les gosses, ils sont méchants. Hein. Je sais que je vais le regarder. Voilà, 13 piges. Beaucoup d'anxiété, ça. Attends, depuis quand on a de l'anxiété à 13 piges? Ça peut exister. C'est là que tu développes tout ça. C'est une dinguerie, quoi. J'imagine qu'il y aura le stress. T'es dépliqué là-bas, chef. Bah, tu commences à ressentir du malaise, à être gêné, à avoir du stress. Surtout chez les filles de cet âge. Ouais. Les gars, ils s'en battent les reins. Les gars, ils jouent à Dragon Ball. Oh non, rien. les meufs de cet âge, elles peuvent commencer à développer du stress. Oui, sur t'es fou. C'est quoi ça? Je suis pas sûr, t'es fou quand même. Après, ça n'existait pas. Attends, c'est quoi la nouvelle? Attends, c'est qui elle? Ah, l'envie. Ah, ok, envie. Envy. Par contre, l'envie, je pense que tu peux l'avoir. Bizarre, hein. Non, mais envie, c'est en mode t'as ça, je le veux. Ça, ah, ok. Tu vois un petit de 1 an qui sait parler, c'est bon, il l'a déjà. Il est là, il fait est-ce que t'as des jeux sur ton téléphone? Passe-moi ton téléphone. Ouais, tu l'as déjà. Tu n'as pas besoin d'attendre 13 minutes pour l'avoir. L'anxiété, l'envie, l'ennui et l'embarras. Ok. L'ennui, ouais, à mon avis, ça va se traduire par ouais, je veux des Nike, ouais, je veux des trucs. Bon, ça, c'est les petits à 6 piges, ils veulent ça, malheureusement. L'ennui, ça. Bon, l'ennui, pareil, l'ennui, tu peux l'avoir très jeune. Ça se développe beaucoup à l'adolescence. C'est même la flemme, carrément. Bah ouais. Embarrassement. Adèle, c'est vraiment. Ouais, il est très embarrassant. Attends, Adèle, elle fait embarrassement? C'est ennui, il me semble. Attends. Ah, c'est ennui. Ouais, hein. Attends. Par contre, c'est fou à quel point c'est toujours de mieux en mieux fait, les films Pixar. C'est ennui, et c'est une française. Ouais, année après année, il s'améliore. Mais déjà, à l'époque que sorti Toy Story, je pétais ma tête. Hein. Ah ouais. Non, mais tu sais, parce que moi, quand je regarde un Pixar, je regarde les ombres, les trucs, genre... Je kiffe, je trouve qu'ils sont trop forts en termes d'animation. Ils sont balèzes, hein. c'est vraiment leur terrain de jeu. Ah non, clairement. S'ils sortent un film et qu'il n'y a pas de Spider-Verse cette année-là, c'est sûr que techniquement, c'est eux qui sont les premiers. Ah ouais, si y a Spider-Verse, sauf s'il y a Spider-Verse qui est là. Parce que bon, il faut respecter mon gars quand même. Le dernier, hein. Voilà. Ouais, c'est ce qu'on disait, c'est Adèle qui fait ennui. Adèle Exarchopoulos. Mais elle le fait en anglais, du coup? Ouais, en VO. Avec IU et Disney. Mais du coup, elle fait la VO et la VF ou juste la VO?
Je pense qu'elle va faire la VO et la VF. Un peu comme Commandief quand elle fait. Un peu comme. Voir, parce que dans la VF, je ne l'ai pas reconnue. Après, il faut voir. Hein. Quand elle joue Mantis, Pomme Clémentief, quand elle joue Mantis, elle le fait aussi VF, ouais. Et Mamaki aussi, c'était doublé deux fois dans Barbu. Qui? Emma Mackey. Ah ouais, la meuf de truc éducation là. Ouais. Par contre, bon. Comment ça, les émotions, ils sont là, ils veulent se débarrasser des autres émotions. Ils sont là en mode, allez, on va vous fumer. C'est quoi cette dinguerie? Jusqu'à ce qu'ils ont mis un bocal, wesh. C'est pour ça qu'ils ont fait ça sur une meuf et pas un gars, tu vois. C'est le même que le 1, ouais. Sauf que ça arrive aux autres émotions. Quoi. Enfin, toutes les émotions. Ça va être en fait, je pense après, ils vont en faire un 3 où elle, elle rentre dans l'âge adulte, un 4 où elle va avoir un enfant. En fait, c'est infini leur truc, Inside Out. Et le dernier, c'est vraiment. Ils sont contrôlés comme ça. La vieillesse. Le dernier, c'est la vieillesse. Les jouets en soi, les jouets de Toy Story, ils sont immortels hein, jusqu'à ce qu'ils se fassent casser dans tous les cas. Ouais, mais après, je trouve qu'au bout d'un moment, tu peux plus rien raconter avec les jouets. Ouais, mais c'est Disney, eux, c'est les remakes qu'ils aiment faire, les suites. Ouais, il y a même des courts-métrages sur la fourchette. Ah oui, Mathias, on avait vu tous les courts-métrages qu'il y avait. Il y en avait plus de 5. Tu dis au bout d'un moment, arrêtez-vous. Ils sont là, ils continuent. Il y en a au moins une 20. Ouais. Heureusement qu'il n'y a rien de bizarre. Hein. Heureusement qu'il n'y a rien de bizarre. Ah oui. Ah. Non, t'inquiète, il n'y a rien de bizarre. Je n'avais pas pensé à ça. Non, mais t'inquiète, il n'y a rien de bizarre. Je n'avais pas pensé. Non, c'est juste. Flot d'expose. Je suis pas. Attends. Par contre, putain, j'ai plus le Disney là. C'est pas Disney ça. Si, si, c'est Alien, Disney. C'était. Si. Ah, ok, parce qu'ils ont pas montré les Marvel du coup après. Non, parce que. Bah, le dernier, quand t'avais descendu, c'était New World Order. Enfin, Brave New World. Brave New World. Ah oui. Attends. Bah, il y a Alien. Romulus. Mais ouais. je m'étais refait les aliens là, franchement. Les gars, j'ai jamais vu un seul alien. J'avais bien aimé Prometheus, c'était sympa. Après la suite. Bien, on est dans la même équipe. Honte, Alien versus comment c'est, Predator, ça va. C'est une sorte de mental breakdown. Ouais, c'est ça. C'est clairement ça qu'elle a. Riley. Bah, déjà. Ouais, c'est vrai, il n'y a pas un film X-Men qui a été annoncé aussi. Et Thor 5. Pour ouais, X-Men, normalement, ça arrive après Avengers 5. Normalement. Non, c'est avant, non? Attends. Hein. Non, c'est après. Mais après, mais avant Secret Wars, par contre. Ouais. Bon, après, c'est Avatar pour 2020. Alien, mais ouais, mais Alien, franchement, c'est des films qui sont intéressants de ouf, hein. Et ça me dégoûte, Alien. Ouais, après, c'est rien, c'est un côté dégoûtant. J'avais regardé Prometheus, Alien Covenant, avec Michael Fassbender. Même si... Mais Mathias, parce que moi, mon petit frère, un jour, il a regardé Alien versus Predator. Genre ah, quoi, ça... Ouais, ça, j'ai pas vu. J'ai pas vu les anciens, tu vois. Genre, c'était... Genre le... Je crois que c'était dans le deuxième, il y avait genre le Predator, mais possédé par l'Alien. Genre, c'était... Ah, ok. Ouais, t'avais un film Alien versus Predator. Ouais, c'est ça. Une période... Et ouais. Bah, j'ai vu aucun film Alien, malheureusement. J'ai vu le premier film Predator, mais j'ai vu aucun film Alien. Avec l'acteur de Apollo. Ouais, et avec Schwarzy aussi. Quand il serre la main, l'acteur d'Apollo, il perd. Ouais, la fameuse poignée. La fameuse poignée de main, là. Ouais, la poignée de main, là, c'est mythique. Là, elle est incroyable. Hein. Mythique. Mais oui, c'est sur ma liste, Alien. Quand je dis c'est sur ma liste, c'est avec... Sigourney Weaver, plus son proche. Ouais, les autres, je m'en fous. Moi, je veux juste voir les classiques. Les autres, je m'en beurre. Même si Ridley Scott, il s'était mis à la licence il y a quelques temps. Bon. Le premier était bien, le 2 un peu moins.
Après, on a Vaiana 2. Bon, voilà. Moana, Vaiana, ouais, il ouais, y avait Zora qui était sur scène. Ouais, mais d'ailleurs, ils ont planté, je crois. Ils vont raconter quoi dans Vaiana 2? Bah, ce qui paraît, elle veut rentrer. J'ai pas vu le 1. Mais ce qui paraît, elle a chanté une chanson où elle veut rentrer chez elle. Bah, ouais, 1... mais après, c'est parce que c'est toute une mythologie autour, tu vois. Donc, ouais, Mais dans le premier, elle est déjà chez elle. Ouais, c'est ça que j'ai pas compris. Après, peut-être il y a encore d'autres trucs et tout, tu vois. Ah, après, peut-être comme ça se passe des années. Pour eux, c'est leur religion là-bas. Ça existe vraiment, tu vois. Genre, le dieu là qui chante là comme The Rock, ah ouais, il existe. Mais ouais, ah, je suis chez eux. C'est Maui. Ouais, c'est. C'est que ça se passe là-bas. Hein. Ouais, hein. Tu vas me dire là, ils chantent chez eux You're Welcome tous les soirs. Tous les Non, mais toi aussi tu forces, donc ça veut dire que. Le chat, hein. Ouais, allez. Allez sur YouTube, le chat, n'oubliez pas. Je vois que vous êtes beaucoup sur Twitch. Venez sur YouTube, les gars, du chat. Ça, fait ça veut dire que pour les chrétiens qui ont vu le prince d'Égypte, ils vont croire que l'autre là, il passe son temps à chanter. Non, voilà. Et non, ça, moi je dis voilà, je vais pas juger parce que c'est leur culture, voilà, c'est voilà. Respectons la culture des autres. Voilà. Non, mais en tout cas, moi franchement Disney il me saoule juste à faire des deux alors qu'il n'a pas forcément l'intérêt quoi. Bah le bif. Le bif. Mais en plus là ils vont faire le live action, c'est ça qui me fume. Ouais, ça va sortir dans quelques années. C'est là. Pour le bif. Le bif, les gars, le bif. Le live action, franchement, j'ai hâte à quoi ça va ressembler. Hein. Voilà, bah, il y aura de rock. Je sais pas, parce que pour moi, ça a l'air bizarre, tu vois, mais je vais voir. The Rock avec des cheveux, les gars. Attendez bien. Non, ça. En vrai, c'est même pas ça le problème, parce qu'il y a Hercule et tout, tu vois, ça lui va bien, tu vois. Mm. Et. C'est même pas ça, c'est les visuels, je sais pas, il faut voir quand, ouais, les délires, quand il va se transformer et tout, ça il faut voir. Bon, en vrai, je le vois bien le film style Jumanji. C'est pour la force, YouTube. Tout le message, il me fait mal, Edwin. Je te dis, jamais je vais sur YouTube parce que là-dessus, t'as bien moins de caractère pour écrire tes messages. C'est pour la force, YouTube. Bon, les refs, moi, je vais vous laisser, j'y vais. Vas-y, hein. Bon, hein. Vas-y, à la prochaine. On a presque fini les news. On a presque vas-y, les refs. Vas-y, merci d'être passé. Prochaine vas-y, mon variant de la Thermique 610. Alors, on passe à qui, là ? On a, on a parlé de Vaiana, le roi lion, Mufasa, le spin-off. Ah, c'est vrai, j'avais zappé ça. Oh, ça, j'avais compris. Qui utilisera la même technologie que le film de 2019. En vrai, visuellement, le film était... Franchement, le film est bien, hein, mais tu vois, c'est un remake, donc tout le monde crache dessus. Bah, en vrai, ils ont raison de cracher dessus, parce que tu nous fais un copier-coller, juste tu utilises de vrais animaux. Autant regarder le dessin animé, il y a beaucoup plus... C'est cool, hein. Manger un vent. Non, mais le film est cool. Spider-Man 4 confirmé pour 2026. C'est comme pour le Karate Kid avec Jaden Smith. Hein. Le film, il est incroyable, mais les gens crachent dessus parce que c'est un remake. Je pense qu'il y aura un retard pour Spider-Man 4, Edwin, pour le coup. Attends, c'est... pourquoi ton boss il a écrit 2024 et je connais toujours pas un seul homme noir infidèle. C'est Wizbot. Avec Wizbot, c'est une intelligence artificielle qui dit les termes. Ça veut dire là, il a dit un truc réel. Ça veut dire que l'homme noir ne trompe pas. Dire l'inverse, c'est être raciste. Donc, en fait, Wizbot, quand il dit des trucs comme ça, c'est réel, c'est tout. C'est juste des petits rappels. Qui avancent de temps en temps. Tu vois. Bien sûr. C'est longtemps qu'il l'a pas rappelé. Oui, c'est dingue de programmer son bot pour ça. Je l'ai pas programmé, c'est juste il dit les termes tout seul, au calme. C'est simple que ça. Est-ce que... non, non, non. Le bot il est fort. Non, non. C'est le meilleur bot, hein. Et enfin, Captain America, Brave New World. Alors, tu peux mettre une image avec le costume ou pas? Avec, ouais. Avec attends, faut que je la retrouve. Je m'attendais pas à ce qu'il monte le costume en image comme ça là d'un coup. Ouais, mais après c'est sur le déco, donc vas-y, tu vois. Ouais, c'est un costume en vue de profil.
Ouais, ça reste quand même discret, tu vois, même si je trouve que le costume, waouh, il claque. Hein. Ouais, après, déjà, je trouve que c'est plus fidèle aux couleurs de Steve et tout. AG, si j'ai sur Twitter, je peux te l'envoyer là ou pas? Non, non, j'ai trouvé, mais c'est juste que tu sais, faut que je fasse la manip à chaque fois que je change d'onglet, c'est chiant. Avec Harrison Ford et le costume. Hop. Mais là, de toute façon, on va plus écouter de... Enfin, je vais plus mettre de son, quoi, donc je vais plus partager mon écran. Sam, voilà. En plus, il a fait ses contours. C'est bien. Oh là ouais, Sam, il a fait ses contours. Bah, maintenant que c'est Captain America, il est prêt. Maintenant, il est prêt. Il est là en mode... Ah, vous savez, même si je suis pauvre, maintenant, je suis Captain. Ouais, vraiment. Je fasse des gosses. il est temps que j'ai des enfants. Donc, les contours sont là. Il sait pas faire de... Non, il sait pas faire de prêt. C'est quand même une dinguerie, ça. Tu vois, la barbe est bien taillée. Tout est là. Il a même poussé un peu la salle pour l'occasion, t'as vu? Il a bien squat. Hein. Et regardez son. Oh, toi aussi, t'as vu son body, Mathias, j'allais dire la même chose. Et je vous dis, là, lui, là, c'est vraiment le prochain cul de l'Amérique. Il est magnifique. Lui, c'est vrai, il est noir. Hein. il a entendu l'autre dire, ouais, c'est le cul de l'Amérique, il s'est dit, ah, vas-y, j'ai une récupération à tenir. Il faut que je fasse des squats. Black chocolate. Il est mort. Il a tout fait. Il s'est mis bien soin. Tout ça pour que le général Ross il soit raciste. Alors, il a dit. Il a dit, tu n'es pas Steve Rogers. Alors quand il a dit ça, j'ai entendu une sale noire. Honnêtement, j'ai entendu ça. Moi, personnellement, qui lui dit ça, je trouve que c'est un compliment de ouf. Il n'est pas Steve Rogers. Parce que les gens, le premier truc qu'ils vont faire avec lui, c'est de comparer à Steve Rogers, alors que c'est des opposés de ouf. Genre, ils ont même pas les mêmes principes de combat. Genre, ils vont pas combattre la même. Vraiment. C'est que je pense que vraiment... Après, dans leurs idées, ils pensent la même chose. Ouais, oui, hein, même si je pense vraiment que Sam, il va vraiment faire bouger les choses. Parce que à part pour casser des gueules et faire des citations stylées, Steve, bro, il est là pour faire beau, tu vois. Pour le coup, t'as raison, Mathias, parce que même de toute façon, c'est ce que Tony, il lui avait pas reproché ça même. Bah ouais, c'est ça, c'est que il agit pas. C'est un type, il agit pas. C'est un soldat. Captain America, il arrive. C'est juste, il casse des bouches, c'est tout. Ouais, c'est et ça. C'est pas de faire un truc, il casse des bouches. Et c'est pas de s'impliquer dans la communauté. Après, c'est compliqué. Le mec, il vient. Ouais, mais après, il nous fait des citations et il nous donne des conseils, mais que même lui, il suit pas. Donc, comment tu peux prendre ça au sérieux? En fait, c'est compliqué d'agir dans la communauté quand tu n'as pas de ce temps-là. Il vient littéralement de 1940. Tu peux pas arriver, t'es là en 2015, t'es là. Ouais, mais quand même. Non, il faut un temps pour s'acclimater et tout. Je me rappelle qu'il s'était fait éteindre par Ant-Man. Non, mais il n'avait pas ses contours quand il s'est fait teindre par... Non, mais vas-y. Je pense sa barbe, elle n'était pas taillée de la même façon. En plus, c'était un film Ant-Man. Bien sûr, ils ont laissé gagner Ant-Man. Ouais, vraiment. Là, maintenant, il est prêt. T'inquiète, mon gars, il est prêt. Ah là, c'est Sam. Vraiment, je pense, lui, vraiment, il va vraiment faire bouger les choses. Hein. Ouais, faire bouger. Hein. Mais, de toute façon, contre, regardez. Je veux quand même qu'il mette une patate à Ross, là, parce que je sens qu'il est raciste. Ouais, j'espère que... En vrai, moi, j'arrive pas à me projeter sur le combat, donc il faudrait voir. Il va se transformer en Red Hulk, hein, sinon il a aucune chance. Ouais, mais bien évidemment. Par contre, les gars, sinon quoi? Si la table ronde ressemble à cette table-là avec des transats, là, va falloir revoir les décors. Mais Jeff, mais ça se voit qu'il n'est pas à Washington, là, t'es con ou quoi? Dans la scène, à Skip, là, c'est la maison blanche à Skip, hein. Ouais, oui, ça c'est Washington, ça. Mais c'est quoi ça, le drapeau derrière, ça? C'est quoi, ça? Avec une grosse hache, là. Non, c'est tout dégueulasse, là. On dirait une table de pique-nique. On dirait la table dehors, là. On dirait une vieille table des années 50. On dirait pas, là, ils sont sur des transats, là, limite. C'est des ouf. Ah ouais. Il y en a un, il prépare les chipots. On voit derrière. Même sa tenue... Est-ce que même là, Harrison Ford, il arrive à tenir debout? Et déjà, là, il se tient sur la chaise. Est-ce qu'il est apte au combat? Je pense pas. Déjà, c'est quoi sa veste, là? Je sais pas, le logo... Attends, peut-être sur Twitter, il y a des gens qui ont trouvé le logo, attends. Bon, moi je... Ah, attends, bah... Attends, Air Force. Ouais. Get off my plane. Air Force One. Ah, Air Force One. Air Force... Attends, Air Force One, c'est pas comme ça s'appelle l'avion présidentiel, là? Ah, c'est... Wow.
C'est peut-être bien. Ouais, je pense pas. Mais quand même. Et tes mains sont dégradées, wesh. On dirait qu'il a essayé de faire une Tommy Shelby, là. Ça va pas trop fonctionner. Mais d'ailleurs, ils ont sorti une excuse pour le fait qu'il ait changé d'acteur. T'as un moment, t'as une scène qui a tourné où t'as le général Ross, il dit à comment il s'appelle ? Non, t'as Captain America qui dit au général Ross, il dit ouais, vous avez changé de look. Ouais. Après, il a fait ouais, c'était la moustache ou les présidentielles. En mode juste, il a changé de moustache. Ouais. Il a changé l'acteur, il a dit j'ai rasé ma moustache. Ouais. Mais Askip, ouais, ils ont fait ça dans ma famille d'abord aussi. Mais Askip, ce qui s'est passé, c'est que c'est juste Harrison Ford, il voulait pas se laisser pousser la moustache. Il a fait des caprices encore à 80 piges, hein, 80 berges. Il a fait des caprices comme ça. Après, tu me diras, franchement, il n'y a que les fans qui verront la différence d'acteur. Hein. Le grand public, est-ce qu'ils savent même c'était qui le général Ross dans les autres films? Ouais, on l'a vu. Tu le vois vite fait. Tu le vois dans Civil War, tu le vois dans Black Widow, tu le vois dans Hulk. Et vraiment dans le film où il est vraiment présent, c'est dans l'Aquab Hulk. Ça, ouais, c'est que dans Hulk qu'il est présent et tout le monde l'a oublié ce film, malheureusement. C'était il y a plus de 15 ans. Ouais. En plus, il y aura Betty Ross qui sera de retour. Hein. Oh. Ah oui, c'est vrai. Montre, oui. Ross, l'autre image. Quelle autre image? Ils avaient montré deux images, genre celle où il est en train de regarder quelque chose, même carrément il tire son bouclier. Ah oui, ouais, non, c'est genre, attends. Si je peux m'envoyer sur Discord, Mathias. Va sur Entertainment Weekly sur Twitter ou sinon. Entertainment Weekly? Non, je suis sûr. Ouais. Ah oui, voilà, je l'ai, je peux te l'envoyer par Twitter ou ouais, par Twitter, ouais. Par Twitter, c'est même mieux. Oula, je tapais Entertainment. NVIDIA, ça va être direct. Road. Ah. Je pense que je ça va arriver là, pour l'instant, j'ai pas encore. Ah, tac, là, c'est arrivé. Ah! Putain, il est constipé, hein. Attends. À un moment là, je pense que Monsieur Thaddeus Ross est déjà transformé et lui, bon, il a été pris au dépourvu. Il a pris son bouclier. Pas de rôle. Là, on dirait juste, il dort chez lui, il a entendu un bruit dans la cuisine. Il sort le bouclier. Il entend un bruit dans la cuisine. Au final, c'est juste un chat qui est passé renverser la poubelle dehors. Vous direz juste c'est ça, honnêtement. Et je te jure, si j'ai le bouclier dans ma chambre que j'entendais, bien sûr que j'allais le prendre avec moi. tous les jours, tu prends le bouclier, oui. Ah là là. Mais par contre, je me demande comment... Du coup, là, aux dernières nouvelles, ils ont dit qu'ils avaient supprimé la Société des Serpents du film. Ouais. De ce que j'avais compris. Ah ouais, en fait, la Société des Serpents, ça devait être dans Captain America 3 de base. Hein. C'est juste Marvel. En fait, le truc, il y avait une guerre entre Marvel et DC. C'est que Marvel, ils ont annoncé Captain America 3 vers mai 2016. Ici, ils sont arrivés, ils ont fait, bon, on va concurrencer Marvel, on va balancer Batman et Superman. Après, il y a Marvel, ils ont fait, ah ouais, vous voulez jouer à ça? Vous voulez jouer avec nos couilles? Bah, le film, ça va être les serpents du cercle, ça va être Civil War, on va le sortir le même jour que Batman et Superman. Les gamins. D'ici, ils ont perdu leur couille. Ils ont fait, bon, on va sortir BVS un mois avant parce que c'est chaud quand même. Ouais, bon. Eux-mêmes, ils savaient ce qui allait se passer. Ils savaient très bien. Attends, mais Captain America, là, Civil War, il a fait combien au box-office, là? Il a fait plus d'un milliard. Hein. Il a fait plus d'un milliard. 2016, ce BVS, il a fait 800 millions. Ouais, BVS, il a fait moins d'argent. Alors, en fait, ils ont fait, vous voulez jouer avec nous? Vous voulez vraiment jouer à ça? Allez hop. Ah allez, ouais, BVS, 880. J'arrive à dire. Mais il a l'air d'être bien inquiet, hein, le Sam Wilson. Et on voit vraiment, vraiment depuis qu'il est capitaine, vas-y, il peut passer chez le barbeur maintenant. vraiment, là, son prêt, là, il est passé. Ça me fume. Et j'étais sûr que si c'était Steve, la meuf aurait dit oui pour le prêt direct. Non. Bah oui, c'est sûr.
Après, le truc avec Anthony Mackie, là, l'acteur de, bah, qui joue Captain, là, il a dit qu'il va emmener Tom Holland le voir à l'avant-première. Ouais, à l'avant-première. Il va regarder que Tom Holland tout le film. Pour le vanner, tu vois. Hey. Parce que Tom Holland, il l'a clashé. Tom Holland, parce qu'à un moment, Anthony Mackie, il disait du mal des films Spider-Man. Tom Holland, il arrive, il fait « Ah, il est comment le film sur le faucon déjà ?» Après, il fait « Ah oui, c'est vrai, il n'existe pas. » Ouais. Sauf là, c'est même pas un film sur le faucon. Il a été promu en plus, tu vois. Ouais, il a été promu. Captain America, qui va éteindre tous tes Spider-Man. en vrai, ce film ne fera jamais autant d'argent qu'un film Spider-Man. Hein. Il ne fera pas le milliard. Captain America 4, là, je pense que c'est même une risque de la hype qui peut arriver, mais sinon. Je pense qu'il n'y aura pas de hype. Hein. Je pense. Allez, sauf si. Un 800 millions, tu vois, genre à la Wakanda Forever, tu vois. Parce que après Deadpool 3, il y a quoi? Entre Deadpool 3 et Captain America 4, il y a quoi? Je sais pas, mais il y a un bon moment, il y a genre 6-7 mois, hein, ou même plus. Hein. Ouais, mais est-ce qu'il y a des films Marvel ou quoi qui peuvent essayer de ramener la hype? Parce que Deadpool 3, il va créer une petite hype. Ouais, mais il faut pas compter sur Kraven alors. je parle du MCU. Kraven. Non, je pense que c'est le prochain, hein. Captain. Miracle, il fait 600 millions. Ouais, moi, je pense comme toi. Je pense qu'il va faire genre. Enfin, je pense qu'il fera plus de 600 millions. Je pense qu'il fera aux alentours de 650 millions. Enfin, moi, genre 700-800. Je pense pas. On est plus en 2016. Je pense que le film, il va marcher, mais pas marcher au point d'aller jusqu'au milieu. J'espère que le film va bider. Non. Ah ouais, ouais. T'es raciste, toi, Desson. Hein, toi, t'es raciste, toi. Ouais. C'est toi, le banquier qui a refusé son prêt, là. Non. Un film, c'est mon gars, Captain. En plus, c'est coiffé spécialement pour ça. Non. T'as vu, il est de soin. En plus, il est à Bradley. Ah ouais. Re. Ouais. Il y a Bradley, il va être incroyable, je pense aussi. Ah, mais ils avaient pas dit dans. C'était quoi la scène? Il allait stab contre Isaiah aussi. Ouais, il me semble un truc dans le genre. Veut faire sa propre justice et tout, hein. Par contre, c'est trop des escrocs. Tous les descriptifs qu'ils nous ont donnés au CinemaCon, c'est des rumeurs qu'on avait déjà eues depuis longtemps. Attends, il va se stopper avec Isaiah, là, le petit, là, le 2008, là. Il vous stoppe? Non, le grand. Oh, le mec de qui est né avant la Reine d'Angleterre, là. Dans tous les cas, soit il se tape avec un petit, soit il se tape avec un vieux. Il n'y a pas de... Mais toi aussi, le petit, il s'appelle Elijah. Il s'appelle Elijah. Et même au pire des cas, pourquoi il reste avec le petit? Il va le démarrer de ouf. mais le petit, il ne faut pas sous-estimer. Hein. Je suis abonné à son Instagram. Et il a poussé. Hein. C'est pas grave. Dans tous les cas, il le prend. Ça, là, futur Patreon, Young Avengers. À une époque, j'avais DM Kevin Feige pour jouer Patriot. Il a même pas vu mon message. Bordel de merde. C'était en 2019, je me suis dit, vas-y, je fais jeune encore, vas-y, je vais le DM, peut-être je peux sortir de la pauvreté. À l'époque, je mangeais des sandwichs triangles. Mon gars. Je suis dans un film Marvel. Et mon gars, il y avait ça. Aussi, j'avais DM Hollywood, préparez-vous. J'avais DM Booba à l'époque aussi. Je me suis dit, ouais, vas-y, Booba, si tu veux. Caris, je vois, il est pas chaud, viens, on se tape. Ah, de Caris, tout ça. Il va pas répondre non plus. Mais bon, dis-toi, quoi. Mais dis-toi, t'avais tes chances parce que Miss Marvel, elle était castée sur Twitter. Hein. non, c'est sur WhatsApp. Il me semble que c'est sa tante. C'est sa tante, ouais, un truc dans le genre, a trouvé un casting qui lui a envoyé par WhatsApp. Ouais. Putain, j'aurais pu être Elijah Bradley. Je dis que les shows, voilà, que l'avenir fait bien les choses. Surtout que le casting est de ouf, elle doit pas faire ça. Accurate, hein. Je n'aime pas pouvoir faire ça. Ah. En tout cas, je suis arrivé là en mode Elijah Bradley, tranquille, bien riche. Oh, putain. Voilà. Ah ouais, hein. Tu nous aurais fait péter des places pour l'avant-première, j'espère. Hein. Ça compte. Des millions d'euros comme ça, là, en mode patriote. En plus, ah ouais, t'aurais posé avec toute la clique. Oh là 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 là. Avengers. Si on m'offre un billet, j'aurais fait. Si on m'offre un billet, j'aurais fait. Sinon, Mathias aurait été le premier à sauter pour faire ton interview. Hein. Oh là là là. Ah, mais de ouf.
Yes, I'm here with Mr. Flood here on the red carpet of Captain America. Nah, nah, nah. Ça aurait fait un Français qui joue un Américain. J'aurais fait oui. Et... Et sinon, je peux jouer Gambit aussi. Mais, Gambit. Ah, en vrai, Gambit. Fais-toi ouais, pousser les cheveux. Ah, ouais, ouais. Bon, après, on va encore crier au wokisme. Je m'en fous. Ils auront le droit. Je vais pleurer. Je vais pleurer sous le harcèlement, mais j'ai suré mes larmes avec des billets. Avec des... alors, moi, je vais bien jouer Barry Allen. Alors, hein. Vas-y. Hein. Franchement, ouais, vas-y, moi, je vais Bruce Wayne. Hein. En ça, je vais Bruce Wayne. Vas-y. Mais en vrai, il y en a. Ah non, il n'y a pas de Bruce Wayne noir, mais il y a un Batman noir. Donc en vrai, ouais, Jay Fox. Le fils de Lucius. C'est le grand papa, le petit là. Ouais. C'est l'aîné là, Jace. Ah, c'est nappe, hein. En tout cas, je crois là, on a fait toutes les news. Donc s'il y a des mecs qui veulent monter, dites-le dans le chat. Je remets le lien. Attends, hop. Évidemment, dans vous pouvez monter, hein. Vous pouvez monter pour parler de toutes les news dont on vient de parler. Le live a fait presque 3 heures quand même. Voilà, il y en avait des choses à dire sur la CinemaCon. Ils ont quand même, voilà, hein. ils ont quand même eu la chance de voir Carlito en train de conduire. Et moi, ça me fume. Et c'est ça qui me fume le plus du live. Il en avait rien à foutre. Ouais. Imagine, il fait un accident. Moi. Non, mais le tube. Ça va, il est en live et tu comptes dans... C'est pas sérieux. Voilà. Ça me rappelle de la vidéo où il y a le type et il regarde la route. Il regarde. Et tu vois, d'un coup, la voiture, elle commence à sauter. Tu vois, elle se retourne. Or, le type, il est resté serein. Purée. Faut jouer avec la... Non. Hey, mais du coup, on a le descriptif des 9 minutes ou... Ah, si, je les ai. Ouais, j'avais vu. Les... Ouais, je crois, en gros, il n'y a pas. Il se péta dans la Maison Blanche, après, il parle avec Ross. Ça, c'est pas la fin? Ah, je sais pas. Bah, moi, c'est ce que j'ai cru voir sur Twitter. Après, c'est d'éviter les. Oui, sur Twitter, on est 23. Non, ah, mais je pense que sur Twitter, on est plus, parce que sur Twitter, je parle plus de comics, et puis Twitter, c'est un truc où je parle un peu tout le temps. Du coup, les gens, ils viennent. Les mecs de Twitter, si vous voulez monter pour parler, n'hésitez pas. Vous avez juste à venir sur YouTube ou sur Twitch. J'ai mis le lien. Après, est-ce que je peux mettre Le live, il est retransmis sur Twitter. Ouais, il est retransmis sur Twitter. Mais il y a 24 personnes. Ils ne peuvent pas commenter, en fait. Non, c'est marqué que les chats, c'est seulement pour les gens qui sont vérifiés. Donc, il faut payer que l'assertif. Ouais, c'est ça qui est chiant. Donc, les mecs de Twitter, vous allez juste aller sur mon profil. J'ai un Linktree. Vous allez sur YouTube ou sur Twitch et vous pouvez monter, parler ou même écrire en commentaire. Hein. On fait des lives comme ça tous les vendredis. Donc n'hésitez pas, les gars. Attendez, déjà, je vais mettre le lien pour monter en bas du. Ah, c'est vrai, il y a le Superman D au Grand Rex. Mais... Ah oui, mais ils mettent les films de Snyder. Mais moi, je comprends pas. Superman D, ils mettent même pas ceux de Reeves. Mais c'est quoi, ouais, ça? C'est ça que je comprends pas. Moi, tu m'aurais dit Superman D. Je t'aurais mis Christopher Reeves. J'y serais allé. Honnêtement, j'y serais allé. Mais moi, je comprends pas, en fait. Honnêtement, j'y serais allé. Mais là, il fait des trucs avec Henry Cavill, des trucs de Zack Snyder, tout ça, flemme. Hein. Il a fait qu'un seul bon film avec Superman, c'est Man of Steel. Et encore. Juste, le film est sympa. Après, le reste, à la poubelle. Ce BVS, ils mettent même pas la Ultimate Edition. Donc bon, voilà. BVS, c'est la version ciné. En plus, Zack Snyder, on va pouvoir parler, mais c'est une DLC, là. Bon, parce qu'on souffle. Ah, t'as vu, hein. Et mais lui, là, c'est le pire. Il finit jamais ses films et après il se plaint. Oui, je peux jamais finir. Et c'est surtout que c'est le seul réel à qui ça arrive. Hein. Vraiment. Hein. C'est le seul. Et après, non. C'est pas les studios le problème, c'est lui le problème. Non. C'est vraiment lui le problème. À l'époque de. Comment ça s'appelle de Justice League, on peut comprendre avec le dire de sa fille, mais là, il se fout de notre gueule. Il se fout totalement de notre gueule. Ouais, Justice League, c'est un peu une thérapie pour lui, ce film. Tu vois, donc je peux comprendre le délire et tout, mais les films d'avant, là, bon. Mais écoute, même les dingueries qu'il a dit sur ce qu'il voulait faire sur les films d'après, bon. Donc délire, là, bon. Ouais, Wonder Woman, kryptonienne.
Ah oui, c'est vrai. Ouais. Il voulait dire que Wonder Woman était kryptonienne. Il voulait faire un film dans les années 1800 où Wonder Woman, elle se tape tout le monde, je crois. Elle soulève tout le monde et les gens, ils sont là en mode « Ouais, je peux soulever Wonder Woman ». Mais vas-y, frère. Non, mais en plus, à l'époque de Man of Steel... Il y a tout ça à ça. Mais non, même, mais ils étaient jaloux entre eux parce qu'il y en a un qui l'a soulevé plus que les autres. Je fais quoi ? Heureusement que Warner, bon, voilà. Oh. Et voilà, c'est aussi, il me semble, au film Man of Steel, il y a un comics préquel qui est sorti au film où on voit l'explication pourquoi il y a un pod qui est vide dans la forteresse, entre guillemets, tu vois. Ouais. Et c'était censé être Kara Zor-El. Et Kara Zor-El, elle aurait été une déesse sur Terre et tout. Et c'est comme ça aurait été la mythologie grecque. Et c'est de là que Wonder Woman et les Amazones seraient kryptoniennes. C'est pas qu'elles sont aussi fortes. Hein ? Ouais. Ils ont tout whipping. Ils ont pris des origines. J'avais fait une vidéo à l'époque de ça, quand il y avait Zack Snyder, il avait fait son événement, la Snyder Con. Où... Carrément, la Snyder Con. C'est quoi ça Non, mais c'est son truc qu'il a fait là où il regarde tous ces films qu'il a fait chez DC. Oh. Ça a duré genre 2-3 jours. Comment ah oui, ouais, la Snyder Con ou je sais pas, la Full Circle. En fait, lui, ce type, j'ai compris, il fait un événement, il met Snyder devant, après il rajoute des trucs de convention, et après il dit c'est un c'est vraiment un ouf. C'est vraiment une dinguerie de faire ça. Tu as parlé pour parler dans le chat, ouais, sur Twitter. Mais bon, je pense qu'on peut conclure. Hein. On peut conclure ces 3 heures de live. Moi, j'ai un live à lancer dans 10 minutes en plus. Live Twitch. Ah. Tu vas jouer sur quoi ? Tu vas parler. Non, ça va être un Los Termos avec Deson, David. Ah, ok. Okay. Attends, mais c'est pas les vendredis, ça ? Non, c'est les samedis. Ah oui, et samedi. Là, c'est plusieurs temps, on avait la flemme de le faire. Hier. Il va être sur quoi, le Los Termos, là ? Je crois que ça va être sur les influenceurs manga. Sur les influenceurs manga, donc let's go. Donc n'hésitez pas à venir sur Twitch, sur la chaîne Los Termos, hein, les gens qui regardent si tranquillement. J'avais fait des vidéos à l'époque, j'ai dit ça comme si c'était à 40 ans, alors que c'était à par mois, sur le MMA. J'avais fait une vidéo où, pronostic Baki Doumbé, vidéo post-combat Baki Doumbé, et après j'ai plus eu le temps de faire des vidéos sur le MMA. Donc, mais venez quand même, comme ça vous venez. Ouais, l'épine a gagné. En tout cas, vous avez un mot de la fin, chacun, Mathias, Soussou ? Bah, en vrai, c'était sympa, hein, franchement, comme d'habitude, un plaisir de venir. Fuck Warner, fuck Sony, voilà. Surtout Sony. Warner encore, avec James Gunn, ils peuvent s'en sortir. Ils peuvent s'en sortir. Ouais. De toute façon, Mathias, Sony. N'oublie pas la promesse. Un jour, on ira chier devant les studios de Sony. Ah, mais vraiment, hein. Et premier degré, hein. Vraiment. C'est une dinguerie. Hein. Non, si les prochains films ils sont nuls, et c'est bon. Ok, bah sur ce. Attends, faut que je fasse la conclusion. Sur ce, merci d'être passé. Merci, n'hésitez pas à liker, vous abonner, etc. Et on se dit à tout de suite pour le Los Termos et ceux qui verront la rediff. À la prochaine. Floodcast tous les dimanches 18h, c'est comme ça que ça se passe. Ciao, à plus, bye bye, à plus dans le bus. Ciao, au revoir tout le monde. À plus dans le bus.
Juste au calcium, comment ça? C'est code yoga, wesh. C'est code yoga, tranquille.